Tu es inquiet, qu'est-ce qu'il y a? Femme, je veux être seule. Mon époux. Je sais qu'il y a un problème, alors parle-moi. Partage-le avec moi. Regarde-toi, Joe. Regarde-toi. Comment je vais appeler ça? S'il te plaît. Cesse de me supplier. Cesse de me supplier. C'est quoi cette merde? Hein? Te souviens-tu que je t'ai supplié pendant plusieurs mois pour avoir cette chose? Alors tu as eu le toupet d'emballer ces ranges pour le prince? Je ne peux pas croire ça, Ojo. Je ne pourrais jamais le croire. Mais je ne lui ai pas donné volontairement. Que fais-tu? Il m'a violée. Allez, ferme-la. Il m'a violée. Quand il te violait, pourquoi est-ce que tu n'as pas crié? Au secours, sauvez-moi. Le prince est en train de me violer. Venez, venez, sauvez-moi. Le prince me viole. Au secours, au secours. Quand il te violait, pourquoi n'as-tu pas émis des cris? Tu dis, il m'a violée, il m'a violée. Si tu parles là... Écoute, laisse-moi t'avertir. Ne viens plus jamais, au grand jamais chez moi. Le fait que je sois place avec toi là maintenant, je suis très en colère, j'ai envie de te battre. Fous le camp d'ici. S'il te plaît. Ne t'approche plus de moi. Fous le camp d'ici, ah! Hey. Ouf. Hey, qu'est-ce que je vais faire, Jésus? Eh bien, c'est ça. Je suis un prince indépendant, comme tu peux le voir, sans garde. Eh bien, je fais les choses comme j'en ai envie. Okay. Une fois que tu es humble et loyal, tu peux venir. Viens juste et... En fait, une fois que tu seras là, dis-leur que tu cherches le prince et... Le portail sera grand vert pour toi et tu pourras entrer, d'accord? Ok? Hey, d'accord. Viens. Anwari. C'est vraiment elle. Anwari, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu es placé ici en train de faire? Tu fais comme ça. Et toi? Papa est trop mûr. Qu'est-ce que tu racontes à ma sœur? Tu es sérieuse là? Est-ce que c'est à moi que tu parles? Est-ce que tu es folle? Quel courage! Ne peux-tu pas voir ma tenue royale? Est-ce que tu es aveugle? Comment oses-tu parler au prince de ce royaume de cette manière? Pardon, ferme-la! C'est quel prince idiot ça? Tu ne vas pas bien! Tu ne vas pas bien, je te dis! Tu es placé là à raconter des bêtises à un enfant! Et tu t'appelles prince. Tu veux que je dévoile ton secret? Tu veux que le monde sache que tu es un prince qui ne connaît pas son père? C'est ce que tu veux? Qui diable est cette folle? Anwari, dis-moi, qui diable est cette folle? Oh, ferme-la, mon cher. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Qui appelles-tu folle? Tu ne vas pas du tout bien. Laisse-moi te dire, tu vois cette fille qui est ici? Ne joue pas avec elle, oh. Reste très loin de cette fille, oh. Je ne joue pas avec elle. Tu lui parles maintenant et après tu vas l'enceinter. Laisse cette fille, est-ce que tu m'entends? N'importe quoi. Et toi, tu ne réfléchis même pas. Tu veux connaître un homme. T'as pas choisi celui au moins qui connaît son père. Tu suis un homme qui ne connaît même pas de là où il vient. Tu es folle. Tu es placée là. Va-t'en. Écoute-moi bien, je vais retirer 5 bonnes années sur ton âge. Ah. Je vois que tu n'as aucun respect pour la royauté. Y a pas de problème, je vais t'exploser 200 ans. Sur ce visage pitoyable. Mais attends, tu es folle ou quoi? Je ne vais pas contre le compte ici. N'essaye même pas avec le gros français. Si tu le fais, je vais te rejoindre pour en parler. C'est quoi ça? De quoi est-ce que tu parles? C'est du full camp. Tu le prends comme ça. Ne me tente pas. Tu sais quoi? Anwari. Ne tente pas. Donne-moi l'adresse de cette fille et je viendrai là-bas m'occuper d'elle moi-même. Je vais t'expulser de ce village. Et je te montrerai que ce village m'appartient. Disparais de là. Tu es un idiot. Tu es vraiment bête. Toi, hein? Je viendrai pour toi.
Je viendrai pour toi. Les grosses fesses donnent maintenant, fille. Beaucoup de privilèges de parler aux garçons, n'importe comment. D'accord. Grande sœur, pourquoi tu as dit au prince qu'il ne connaît pas son père? C'est ce qui est venu dans ma tête en ce moment et je l'ai dit. La reine n'est pas du tout facile, hein? Et si le prince le lui disait? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tuer quelqu'un? On dirait que tu ne me connais pas très bien, oh. Tu vois les gosses d'où je viens. Tout le monde là-bas me respecte. Parce que je n'accepte pas n'importe quoi. Si je vais à Bariga, si j'arrive à Essolo, j'entre à Oshodi, ils vont me faire des louanges comme si j'étais une reine. C'est comme ça que tu vas entendre. Titieko, Titieko, Titieko. Tout le monde va me respecter. Tu me parles de ce petit village? Ils n'ont pas le niveau. Hey! Oui! Grande sœur, personne ne me fera plus peur dans ce village. N'aie peur de personne, je te l'ai dit. Mais mon problème est que ne pas chercher les ennuis. Si tu vois ton aîné, respecte-le. Mais la personne qui va te chercher les ennuis dans ce village, je vais m'occuper de cette personne. Hey! T'es une bonne sœur. Hey, Dieu! N'aie pas peur. Hey! Ouais. Dieu merci, je t'ai trouvé ici. Ok. J'ai attendu que tu viennes chez nous hier, mais tu n'es pas venu. Ah, désolé, j'avais tellement d'endroits où je devais y aller hier. J'avais tellement de choses à faire. Désolé. Pardonne-moi, j'ai dit que je devais la voir aujourd'hui. Alors, comment elle va? Elle va bien, mais elle est rentrée en ville. Elle a demandé que je te donne ceci. Oui, c'est son adresse. Comme ça, tu vas la trouver quand tu seras en ville. Adam, ma puce, je savais qu'elle ne pouvait pas juste partir comme ça. C'est d'accord, t'en fais pas, je vais la voir. J'avais prévu de passer à la maison aujourd'hui pour la voir. Hein? Je ne savais pas qu'elle est partie. C'est bon, je vais la voir, ok? Merci à toi. D'accord, hein? Je repars. Dieu merci, je t'ai trouvé ici. Ok, merci beaucoup. Hey! Adam, ma puce, t'en fais pas, on va se voir. Adam, ma puce. La ville, me voilà. Ma chérie Adam, tu es tellement intelligente. Copine, tu es incroyable. Ce gars croit que je suis l'une de ces villageoises avec qui il peut jouer partout. Il croit que je suis l'une de ces filles qu'il peut tromper. Hein? C'est incroyable. Je suis surprise. Adam, ce gars, il gagne vraiment de l'argent dans ce village. Copine, beaucoup d'argent. Ce gars gagne beaucoup d'argent dans ce village. J'ai hâte qu'il vienne ici en ville et qu'il gagne de l'argent pour moi. Mais bien quoi? Tu as recommencé où? Comment cela peut arriver, s'il te plaît? Copine, calme-toi. Détends-toi, tu me mets la pression. Tu ne me fais plus confiance. Hein? Sais-tu ce que l'argent de ce gars peut me faire? Est-ce que tu sais ce que son argent peut faire pour moi dans cette ville? Calme-toi, je gère. D'accord, je regarde juste. Mes yeux sont ouverts, mais laisse-moi te dire. Ne me laisse pas derrière. Quand l'argent viendra, j'espère que j'aurai ma part. Bien sûr que oui. Mm-hmm. Tu es mon ami personnel. Mm-hmm. Tu es ma MAV. Ma MAV. Tu auras ta part. Merci. Calme-toi. Comment va ce gars? Finalement, tu l'as vu? S'il te plaît, copine. Oublie ça. Ce n'est rien. C'est incroyable. Est-ce que tu sais que... Okumaha Monakago. On l'a attaché comme ça et on l'a mis sur le cou du gars. Le gars n'est qu'un milliardaire avare. Yeah. J'ai failli pleurer. Un naira, chichi. Je n'ai rien reçu de ce gars, même pas une pièce. Cette même nuit, Dieu merci, j'ai mon chauffeur. J'ai dû appeler mon chauffeur pour qu'il vienne me chercher. Hey. Genre, ce type de personne, jamais de la vie. Que Dieu est loin de moi de telle personne. Ça, c'est un mauvais marché. Mauvais marché. Tu peux encore le dire. Tout fie à quoi? Ça ne peut pas m'arriver, ma puce. Ce genre de choses, ça ne peut pas. Ça ne peut pas m'arriver à Dama. Ça ne peut pas m'arriver. C'est pour ça que je ne suis pas ce genre d'homme. Ces idiots, je ne marche pas avec eux. Ah, c'est incroyable. Je te fais confiance. Ma copine, tu es de trop. C'est incroyable. Démarche, Adama va leur servir, c'est très chaud. Je vais leur montrer du feu. Adama. Je te fais confiance, ma chère. Je suis déjà là. Ça va aller. Fais ça. Je ne comprends pas. Dis-le encore. Mais votre Altesse, vous avez dit que vous m'aimez et que vous allez m'épouser.
T'épouser? Qui va t'épouser? Hein? Votre Altesse. Pardon? Écoute, écoute, arrête de pleurer comme un moustique dans mes oreilles. Tu dois te débarrasser de cette grossesse très rapidement. Votre Altesse, j'ai peur. J'ai pas envie de me faire avorter. Allez, prends cet argent. Fais le nécessaire, ok? Fais ce qui est. Est-ce que tu peux m'écouter? Prends cet argent. Fais ce que tu as à faire. Débarrasse-toi de ça. Tu n'as pas à avoir peur. Rien ne va t'arriver, ok? Mais vous avez promis de m'épouser. Toc, toc! Onye, Mama? Non. Ma, bonsoir, Ma. Bonsoir, Onem. Comment tu vas? Je vais bien, Ma. Je m'appelle Chisom. Je suis la première fille de la deuxième femme d'Igbanyaka. Eh? Hey. Oui, Ma. Nemo, tu es la bienvenue. Merci, Ma. Mama, je suis ici pour voir Otito. Otito Onke? Oui, Ma. Ah. Quelle affaire tu traites avec Otito, Nemo? Mama, c'est mon ami. Il m'a dit de venir le voir. Ton ami? Oui, Ma. Ok, nous qu'on nous bien, coca, nous bien, nous bien. Hein? Oya, range chez toi. Je ne veux plus te revoir ici. Atiki ni nyof kote nanzo. Nyanye na bok. Donc, Ma. Qu'est-ce que tu attends encore? Allez, sors de cette concession. Espèce idiote. Tu es venu chercher mon frère Otito. Moi ou Bogi? Tu ne prêtes pas attention à elle. Tu es venu chercher mon frère Otito. Avant qu'on ne le sache, une autre histoire va surgir. Soit Otito l'a violée, soit Otito l'a enceinte. Elle est enceinte de lui. À quoi qu'on voit encore? Que je te revois encore ici. N'importe quoi. Tu es venu voir Otito. Je suis là. Grande sœur. Tu sais que tu es ma grande sœur. Et je t'aime vraiment beaucoup. Grande sœur, je veux que tu te rabaisses et que tu t'excuses auprès de notre grande sœur. Qu'est-ce que tu as dit? Que je fasse quoi? Anyurinka. Et pour ton information, elle est ta sœur et non notre sœur. Elle est... Grande sœur, regarde. Depuis qu'elle est venue ici, ma vie a complètement changé. Oh! Elle prend soin de moi. Et elle me donne des bons conseils qui vont améliorer ma vie. Et encore, tu dois arrêter de suivre ce Gao. Cet Otito, peu importe son nom. C'est un mauvais garçon. Tu dois arrêter. Tu vois ta sale bouche, tu devrais la fermer, la boucler. Fichaya, l'essuyer, tu es folle. Que je fasse quoi? Tu me donnes des conseils maintenant, c'est ça? Tu as grandi, nous sommes maintenant égales. Tu me donnes des conseils maintenant. Si c'est pour ça que tu m'as fait asseoir ici, n'essaye plus jamais ça de toute ta vie. Ah ah. N'importe quoi. Titi et toi, êtes maintenant des sœurs, tu devrais lui pardonner. Donneuse de conseils. Grande sœur, c'est juste... Faire ça. Une fille Yoruba est maintenant ta sœur. Une fille Yoruba de Lagos est ta notre sœur. Elle est ta sœur à toi seule. Elle n'est pas ma sœur. Elle ne le sera jamais. Je te dis quelque chose qui va t'aider, oh. Comme tu ne veux pas comprendre. Chisom, Zom Zom, mais pourquoi es-tu comme ça? Comment tu peux me décevoir comme ça après toute la viande de brousse que je t'ai donnée? Hein? De quoi est-ce que tu toute parles? Toute cette viande de brousse et tu me déçois quand même. Otito, de quoi est-ce que tu parles? Tu m'as déçu, je t'ai dit que... Chisom, viens à la maison pour qu'on répète, pour qu'on fasse... Des examens pratiques et toutes ces... Tu sais, mais t'es pas venue. Est-ce que c'est bien? Je suis venue chez toi. J'étais chez toi. Est-ce que ta mère ne t'a pas dit? Ma mère? Ma mère ne m'a rien dit du tout. Hein? J'étais chez toi. Ta mère m'a mise dehors et m'a demandé de ne plus jamais revenir. Tu es sérieuse? Oui, je suis venue te voir. Ma mère ne peut pas faire une chose pareille. Pourquoi? Une fille à qui j'ai donné de la viande? Et ma mère lui dit de partir? Otito, ne me provoque pas. Je suis déjà en colère, alors ne me traite pas de menteuse. Comment peux-tu me traiter de menteuse? J'ai dit que j'étais chez toi et ta mère m'a mise dehors. Elle m'a mise dehors et m'a dit de ne plus jamais revenir. Alors s'il te plaît, ne m'embête plus. Tu as compris? Mon Dieu. Quoi. T'es en colère? Regardez-moi ça, pour une simple viande de brousse. Chisom, pourquoi?
donc parce que ma mère t'a demandé de partir, et toi aussi tu t'en vas. Après toute ma viande de brousse, tu t'en vas. Quand je te la donnais, tu ne m'as pas demandé si ma mère était à côté. Ça veut dire quoi tout ça? À cause de cette viande, si je me rends compte que ma mère ne t'a pas chassé, sois-en sûr, t'en paieras le prix. Tu vas payer, sinon je vais te tendre un piège, comme je le fais pour le gibier. C'est de la même façon que je vais t'attraper, et je vais te transformer en gibier. Tu verras, je vais te transformer en antilope. Tu vas voir, hein? Ne pense pas qu'après avoir mangé tout ça, tu vas juste partir comme ça. Impossible, sois-en sûr. Ma reine, arrête-toi là. Encore toi? C'est moi, non? Ou bien c'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne peux-tu pas saluer? Hein? La courtoisie demande qu'on salue un aîné. S'il te plaît, ferme ta bouche. Ferme-la. Et ne me touche pas. Moi, Chichieko, te saluer. En tant que qui? Attends, laisse-moi te demander. Ne sais-tu pas que je viens de Lagos? Es-tu venu à Lagos auparavant? As-tu vu une reine là-bas? Je vois qu'un truc te dérange dans ta tête. Tu veux que parce je te salue? Parce que tu viens de Lagos et que tu n'as pas vu de reine là-bas ne signifie pas que les reines n'existent pas. Donc tu ne peux pas me saluer parce que je suis trop petite ou tu es juste stupide. S'il te plaît, ferme-la. Qu'est-ce qui t'arrive, même? S'il te plaît. Laisse-moi. Que tu sois reine ou non, cela ne me regarde pas. C'est arrête. Pas toi, ok? C'est pas toi qui me nourris. Prends tes disciples là et allez-vous-en d'ici. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Tu vois n'importe qui et tu... Ah! Tu m'as giflé. Idiote. Grande soeur, arrête. Elle a osé me giflé. Grande soeur, arrête. Qu'est-ce que tu as fait? Le roi peut venir à la maison et il va peut-être nous bannir. Je m'en fiche. Grande soeur, tu n'as pas bien fait. Il fallait revenir, non? Il fallait revenir, idiote. Grande soeur, qu'est-ce elle que tu as fait? Elle joue à la reine. Tu as tout foiré. Je n'ai rien fait. C'est pour cette bêtise. Pourquoi est-ce qu'elle m'a touchée? Laisse-moi te dire, calme-toi. Tu vois cette femme? Elle ne peut rien. Là, c'est ils vont venir. Ils viendront à la maison. Je n'aime pas ça. Tu as vraiment tout gâché. J'ai laissé cette femme me gifler. Laisse-moi aller là-bas. Grande soeur, ça suffit. Allons-y. Ça va. Ça suffit. Tout ça, c'est à cause de toi. Oh, copine, dépêche-toi et allons-y. Tu me perds le temps. Ce n'est pas de cette façon qu'on part dans les marches pareilles, oh. Tu me surprends. Allô? Oui, qui est-ce? Oh, Tito, manum. Oh, Tito, comment tu vas? Oh, Tito, désolé, oh. Désolé. Regarde, un truc a surgi en ville. J'ai dû repartir immédiatement, hein? Hey. Mais est-ce que ma sœur t'a donné? Elle t'a donné, n'est-ce pas? Hey. Regarde, en ce moment je te parle. J'ai déposé ton argent à la banque. Ton argent est à la banque. En ce moment je te parle. Regarde, réunis juste plus d'argent. Épargne, réunis l'argent. Je vais bientôt t'envoyer mon numéro de compte. Comme ça, pendant que tu épargnes, tu vas envoyer l'argent dans mon compte. Mais oui, comme ça quand tu seras prêt, tu vas venir en ville. Je suis ici en train de t'attendre, non, hein? Manum Kebo. Oh, Tito. Monokori, oh. Wano, pas de soucis. Ok. Merci beaucoup. Ok. Adam Apus, c'est bon. Ok. Ah. Copine, sors de là et allons-y. Oui, j'arrive, s'il te plaît. Attends, regarde ce que j'ai fait. Adama, avec qui est-ce que tu parles au téléphone? S'il te plaît, aide-moi à arrêter ça. C'est avec ce villageois dont je t'ai parlé. Le stupide villageois dont je t'ai parlé. Tu es chanceuse, ma sœur. Tu sais, j'aimerais avoir ce genre de con qui va travailler l'argent pour moi pour que je rentre dans mon village. Hein? Qu'est-ce que je fais dans cette ville à perdre mon temps et à souffrir?
ce garçon pense qu'il est intelligent. Il croit qu'il connaît quelque chose. Hein? Dans cette ville. Nous allons manger son argent. Adam, ma copine. Adam, ma copine. C'est moi, c'est moi. J'aime ce jardin, Jean-O. Mais, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu vois mes pieds? Je peux fuir. Pourquoi? J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Quel problème? Ce gars-là. J'espère qu'il ne fera pas de problème s'il découvre que tu l'utilises pour te faire de l'argent. Regarde-moi, je n'ai pas les modes en ça. Abby, de quel problème est-ce que tu parles? Regarde, qu'est-ce qu'il connaît? Aurais-tu oublié que je contrôle cette ville? Dans cette ville où je contrôle tout. D'accord. Qui veux-tu appeler pour moi? Pas de problème, c'est moi qui te le dis. Mais porte tes bracelets et allons-y. Allez, viens, on y va. Tu vas plaire à cet Aladio. Il aime les filles brunes comme toi. J'en peux plus d'attendre. J'ai hâte de quitter ce village. Et pour cet idiot de prince, il ne s'imagine même pas. Ça sera une surprise pour lui. Il ne saura même pas quand je vais partir. Hein, cet idiot de prince. Il croit que je vais continuer de le louer, lui et sa famille, stupide famille. Hein? Le jour que je vais quitter ce village, il ne le saura même pas. Ils sauront que je suis intelligent. Que je ne vais, le prince saura que je suis plus intelligent que lui. Hein? Lui et sa stupide famille. Stupide prince, on l'appelle prince. Et il se comporte mal. Quand je vais le quitter, toutes ces choses stupides que le roi me fait subir, Igwe saura que je suis intelligent. Pam, je vais quitter ce village. Je ne lui dirai même pas mon plan. Il ne va même pas s'en douter. Stupide prince comme lui. Ne vous en faites pas. Que mes plans, je vais bien organiser. Il n'y aura aucune erreur. Hein? Stupide prince. Donc c'est ça. Oh, Tito. C'est quoi ton problème? Pourquoi es-tu partout comme ça? T'es une sorcière? Hey. Tu ne peux pas être posée? Hey. Avec tes petits seins. Te suivre, pourquoi, Otito? En tant que ton disciple, écoute très bien. Tu vois toutes les choses que tu as dit ici? J'ai tout entendu. Oui. Je vais le dire au prince. Otito, tu as vraiment le courage d'appeler le prince, ton ami, ton pote, stupide. Hey! Moi? Énumérer nié. Traiter le prince de stupide, quand est-ce que t'as entendu ça? Inagago. Aguakono, parce que je l'ai bien entendu. Tu as dit que sa famille est une famille stupide. Je l'ai entendu. Comme si cela ne suffisait pas. Tu as aussi dit que tu n'es même pas sûr si le prince est le véritable prince de ce village. Tu es folle? Je l'ai entendu. Dégage d'ici! Aguakono, en ce moment que je te parle, je vais tout droit au palais. Le prince doit entendre ça. Le prince te croira? Tu penses qu'il va te croire? Hein? Si tu vas dans ce palais, on va couper tes pieds. Tu vas foutre le camp d'ici. Tu crois n'importe qu'il quoi. Ne va pas me croire? Fous le camp, ils ne vont pas te Une croire. Une fois que je vais préparer toutes ces choses. Fous le camp d'ici, tu verras, stupide fille. Je vais au palais. Allez, fous le camp. Attends, tu seras conduit, ta chérie, ne blague pas. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je m'en vais au palais. Qui te connaît? Je vais au palais maintenant. Qui t'ouvrira même le portail? Regardez ça, petit sang, petite fesse. Tu veux aller au palais? On dirait que tu vas là-bas pour te taper un des gardes. N'importe quoi. De toute façon, je sais que le prince ne va pas te croire. Je suis le seul qui dit au prince ce qu'il doit croire. Si tu lui dis quoi que ce soit, je vais utiliser du coton pour bloquer ses oreilles. Il ne va même pas t'écouter. Je le manipule comme une télécommande. Dis-lui tout ce que tu veux. Il ne te croira pas. Vas-y, tu perds ton temps. Regardez là les petits seins, les petites fesses. Tu aurais dû dire que tu partais là-bas pour essayer de te taper un garde. Ils ne vont même pas te regarder parce que toi, t'es une fille périmée, une villageoise périmée. Je n'arrive pas à croire ça. Donc, Ifunanya est morte juste parce qu'elle est allée au palais pour travailler. Hey! C'est très mauvais. Tu vois pourquoi je déteste le travail du palais? C'est pour cette raison que je n'aime pas ce travail. Le travail au palais? Bah. Qui peut aimer ce genre de travail? Voilà pourquoi je préfère vendre dans la boutique de ma mère que d'aller travailler au palais. C'est très mauvais. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire au prince? Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que c'est le fils du roi. Ils vont couvrir tous ses actes. J'aurais vraiment aimé que quelqu'un donne une très bonne leçon à ce prince. Je le déteste tellement. Je ne le déteste pas seulement. Moi, il me dégoûte, je le jure. Mais attends. Donc, comme un jeu, Ifunanya est morte. Non, elle est en vie. Bah, je ne peux pas. Je ne fais que te dire qu'elle est morte et tu me poses la même question. Bien sûr qu'elle est morte. Te cache une wana. Indevile déjà la Kerika. Hey! Bah, je ne suis pas sûre. Je ne pense pas. Je le jure par nos ancêtres. Votre Altesse, ça suffit. Ne fais pas ça. Cette personne dont nous parlons est notre sang, notre enfant. Comment peux-tu mettre des malédictions pareilles sur lui? Je regrette le jour que je l'ai rencontré.
Je regrette qu'il soit un produit de mes entrailles. Je le regrette. Il ne pourra jamais prendre le trône après moi. Non, jamais. Votre ne dis pas ça. Je ne sais pas pourquoi tu trouves difficile de croire à notre propre fils. Je t'en supplie. S'il te plaît. S'il dit qu'il ne l'a pas fait, alors il ne l'a pas fait. Je le crois. Et je... Mon mari, s'il te plaît. Je t'en supplie au nom des dieux. N'implique pas les anciens dans cette affaire. Tu feras de notre famille une moquerie, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Fais-le pour moi. Ou est-ce que tu n'aimes plus ta femme? Regarde-moi et dis-moi que tu as retiré la malédiction, que tu l'as annulée. Je t'en prie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Merci. J'espère que ce vin de palme est aussi frais que toi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le roi n'a aucun fils. C'est pour ça que je te fais toujours confiance. D'enfant. La femme. Ferme ta bouche. Avant que ton tout te mette dans les problèmes. Parle-lui. En fait, avertis-le. Regarde-le. Je t'ai dit d'arrêter de boire. Juste 3 bouteilles et tu es ivre. Tu racontes maintenant des bêtises. Je sais ce que j'ai dit. Le roi n'a pas d'enfant. Point final. Le roi est quoi? Sans enfant. Je vais pas te dire à cause de toi. Quoi? Moi, boisé. C'est toi qui racontes ces sottises de ta bouche? Regarde-les. Tes jeunes stupides et moins qu'à rien. Regarde l'air. Est-ce que c'est toi qui as donné naissance au prince? Est-ce que c'est toi qui as donné naissance au prince, je te le demande? Moi, boisé. Mazi, je sais ce que j'ai dit. Abomination. Tu vois ce gars qui se pavane partout? Il n'est pas le fils du roi. Il est un voleur, mais le roi ne l'est pas. Moi, baiser. Laisse-moi. Ferme ta bouche. C'est quoi ton problème? Est-ce que le lion peut accoucher un serpent? Tu es malade. Tu es très très stupide. Tu es bête. Quelles sont ces bêtises que tu racontes, hein? Regarde, si tu ne veux pas boire, porte ton corps stupide et sors de cette boutique. Ne raconte pas les sottises dans ma boutique, je t'en supplie, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, le roi sera content de l'entendre. Okaninko, tu seras content de l'entendre? Porte ton corps et sors de cette boutique, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi, voisé, écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, Ichi Ndika, je vais personnellement vous trahir au roi. Mazi, je ne suis pas impliqué. Je vais vous trahir au roi. Ichi, je ne suis pas impliqué. Je sais ce que j'ai dit. Mazi, je ne suis pas impliqué. Ichi, je sais ce que j'ai dit. Je ne suis pas impliqué. Il entendra parler de ça. Hein? Tineke. Tu vois ce que tu as causé? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Nous, Mouzé a dit quoi? C'est ce qu'il a dit. Il parlait de ça dans notre boutique, la boutique de ma mère. Ichi dit qu'elle était là. En fait, il est allé le dire au roi. Hé! Hey, jamais! Le prince doit entendre ça. Je vais moi-même lui dire tout ça. Oh, dis-toi, attends, dis-moi. Est-ce que c'est vrai? Lâche-toi, tu vas foutre le camp? Fous le camp! Oh! Donc, ils ont transformé le bar de ta mère? Ils ont transformé le bar de ta mère en un lieu de commérage? Non! Alors, le bar de ta mère est devenu un endroit de réunion où les gens parlent du roi et de sa famille? Non, non, non! Pourquoi tu dis ça? Ils étaient en train de boire dans notre boutique. On n'a rien dit, je n'étais même pas là. Quand ils disaient ça, qu'est-ce que ta mère et toi avaient dit? Je n'étais pas là. Ma sœur m'a dit qu'elle leur a demandé de partir, qu'ils devaient arrêter ce commérage, qu'ils arrêtent de parler. C'est ma sœur qui a dit. Je n'étais pas là, no quoi, Meba. Je vois. Alors, c'est ça.
Ah, pas étonnant. Chaque fois que je passe devant le bar de ta mère, il y a toujours des gens qui sont là. Ils parlent du roi. Je me demande ce qu'ils ont dit sur moi et le prince. Non, rien de tout ça. C'est juste autant. C'est bon. C'est bon. Soyez prête. Vous allez avoir des ennuis. Vous allez avoir des ennuis. Ce n'est pas de notre faute. Prince, où que tu sois maintenant, prépare-toi. Igwe, je ne suis pas content. Je ne vais pas bien. Quelqu'un dans ce village porte des rumeurs dans tout le village que le prince Afamefuna n'est pas votre fils. Quoi? Qui est cette personne? Igwe, n'est-ce pas moi, Boisé, le motocycliste, le fils de Boéfi? D'Aboisé? Oui, Igwe. Comment ça? Qu'est-ce qui a soulevé ce genre de débat? Joseph. Mon roi. Envoie immédiatement deux gardes. Éduqués. Et c'est quoi encore son nom? Ok. Pour aller le chercher immédiatement. Amène-le dans ce palais. Maintenant. D'accord, votre majesté. Igwe. Ce garde-moi, Boise, est un garçon très vilain. Il est très stupide. Igwe, vous devez vraiment punir ce garçon. Attends voir ce qui va arriver. Hey. Obi. Comment tu vas? Je vais bien. Tu rentres? Je partais dans ta boutique. Ma mère est à la boutique. Hey. Je rentre préparée. Ok. Comment va ton frère? Mon frère? Il est allé dans son travail de motocycliste. Tu connais mon frère. Il est très occupé. Travail de motocycliste? Vraiment? Ma soeur m'a dit qu'il était dans notre boutique en train de boire avec ses amis. Jusqu'à devenir ivre. Et il racontait des bêtises. Okoku, noaku, noaku, noaku. Je ne sais Obi, pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Mon frère. Oui. Moi, baiser. Écoute, je ne vais pas le crier pour que tu ne dises pas que c'est moi qui l'ai dit ou alors les gens disent que c'est moi qui l'ai dit. Ton frère a des ennuis. Il a dit que le roi n'était pas le père du prince. Hey! C'est le mensonge. Obi, mon frère. Hey! Comment mon frère a pu dire un truc pareil? Tu me demandes? Qui le lui a dit? Owokinado. Hey! Et John Johnny? Je ne sais pas. Tu dois aller chercher ton frère. Cherche-le et demande-lui qui lui a dit cela. Joey a perdu. Demande-lui très bien. Et essaye de le cacher quelque part. Parce que tôt ou tard, le roi va venir le chercher. Dis-lui que Ichie dit qu'elle est partie le dire au roi. Dis-lui cela. Waya. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Je vais chercher mon frère. Vas-y, mon frère, va le chercher. Mon frère veut se mettre dans les problèmes. Pourquoi? Hein? Douaya. Pourquoi? Douaya, demande-lui. Hey! Demande-lui vraiment. Le problème, c'est que je ne sais pas si le roi va aussi venir chercher ma mère, moi et ma sœur. Que dois-je faire maintenant? Attends. Thank you.
Tu vois ce que j'ai dit à moi, mais c'est... Je l'ai averti à plusieurs reprises, mais il n'a pas voulu écouter. Hein? Ah, mon Dieu. Écoute, sa bouche l'a mis dans de graves problèmes maintenant. Je me demande ce qu'on lui fait. Mais pourquoi a-t-il eu le toupet de le dire? Eh bien, même si ce n'est pas très loin de la vérité, il n'a pas le droit de dire des choses pareilles. Mais attends, que veux-tu dire? Je me demande, n'est-ce pas? S'il te plaît, laisse-moi arriver en vie chez moi. Hein? Si tu veux, reste là et pose-moi des questions stupides. Allez, arrête-toi maintenant! Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je t'ai dit que j'allais revenir pour un retour, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai été assez clair que j'allais revenir pour toi? Donc, tu veux jouer au dur avec moi? On dirait que tu es fou. La folie te dérange. Un boulon a sauté dans ta tête. Mais c'est quoi cette bêtise même, non? Ok, joli coup, j'aime ça. En fait, tu as le cran de me parler. Le prince de ce royaume. N'est-ce pas? Tu as le toupet de me parler. Regardez celui-ci. J'aurais tout vu. Titi Echo, tu auras tout vu. C'est avec moi que tu veux jouer au dur? On dirait que tu es fou. En fait, tu commences à devenir fou. Je vois très bien que tes gros sangs te donnent le privilège de me parler. Aujourd'hui, je vais ajouter plus de chair sur tes fesses. Quand j'aurai fini de t'infliger avec autant de douleur, tu sauras de quel poids je me chauffe. Tu ne m'as pas dit que ce sont mes fesses qui te faisaient mal. Mais hein, tu vas seulement mourir. Laisse-moi te dire, ne me tente pas où. Si tu me tentes, je vais t'avaler. Moi, Titi Echo, je vais t'avaler. Pour qu'est-ce que tu te prends même? Ok. Un prince. J'aime ça. À cause de cette chose que tu portes ou ta chaussure? Tu marches partout, tu fais n'importe quoi et les gens ont peur de toi? N'essaye pas ça avec moi. Si tu l'essayes avec moi, je te jure sur ma vie que je vais allumer la télé et tu vas la regarder. Et tu me verras à l'intérieur. Tu comprends? Jolie. Prends sa femme, s'il te plaît. Laisse-nous tranquille. Arrête ça. Et toi, ferme-la. Je le supplie. Tu veux que je te brûle? N'essaye même pas. Oh. Tu veux que je te brûle avec ceci? N'essaye même pas. Tu es folle? Tu deviens fou. Oh. Je ne comprends pas ça. Pourquoi est-ce que tu le supplies? C'est quoi cette bêtise? C'est vous qui gâtez ce gars dans ce village. Tu vois cette bêtise que tu es en train de faire? Tu ne peux pas l'essayer à Lagos. Dis à Lagos et essaye. Dis à Ikorodju, essaye cette bêtise. Ou viens à Djengoule ou à Makouche, essaye cette bêtise. Mon frère, je te jure, les petits garçons vont te fouetter. Les petits garçons vont te fouetter. Est-ce que tu m'entends? Ce sont les enfants qui vont te fouetter. Tu es fou. Prince. Un prince stupide qui ne connaît pas son père. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis que tu es un prince? Quel prince stupide es-tu? J'exagère déjà, oh. J'exagère déjà. On dirait que cette chose que tu filmes te donne du courage. C'est quoi cette bêtise? J'exagère déjà. Je suis prête pour toi. Fais ce qu'il y a de pire. N'est-ce pas, tu es prince? Tu as touché ma tenue royale. Peu importe comment tu le veux. Je suis prête pour toi. Apportez cette chose au palais maintenant. Non, quelle chose? N'essayez même pas de me toucher, oh. Lâchez-la. Ne me touchez pas. Tu es un prince, n'est-ce pas? Fallait venir me combattre. Lâchez-la. Fallait venir me combattre. J'allais te battre. Mon prince. Tu oses appeler les gars. Et tu t'es dit être prince. Fallait venir me combattre. Amène ces grosses fesses dans mon palais. Folle. Fouettez-le. Fouettez-le très bien. Fouettez-le. Lève la main. Fouettez-le. Lève la main. Fouettez-le très bien. Hein? Ah, tiens ça, espèce d'idiot. Tends-toi. Fouette-le très bien. Espèce de malade. Fouette-le. N'importe toi? Quoi. Donc c'est toi? Toi qui propageais les rumeurs partout. Espèce d'idiot. Gossel, c'est elle qui me l'a dit quand je l'ai porté sur la moto. Que le tonnerre te frappe, tu es malade. Quelque chose ne va pas dans ta tête. Tu la connais? La même fille qui m'a insulté l'autre jour. Oh, c'est toi cette fille, Roba? Vraiment? Garde, prenez-la et enfermez-la à l'intérieur. Ne me touchez pas, oh. S'il vous plaît, je ce que je vais te faire tout à l'heure. Je n'ai rien fait, oh. Je n'ai rien fait. Pardon, mon roi. Je n'ai rien fait. Je vous en supplie, mon roi. Attends, leurs enfants. Pardon. Va-t'en.
Et toi, la prochaine fois que tu entends une rumeur, tu dois d'abord la confirmer avant de la répandre, mes virus. Lève-toi. Flocon de cette cour. Vilain. Tiedika. Votre Majesté. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maman! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu cries? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Maman, où est papa? Que lui est-il arrivé? Elle a eu un petit malentendu avec le prince. Et il a ordonné à ses gardes de l'amener au palais. En arrivant là-bas, on a vu Mwamboise, ce motocycliste populaire qui était puni par le roi parce qu'il avait dit que le roi n'a aucun fils. Maman, on était tellement surpris quand il a pointé du doigt à Titi que c'est elle qui l'aurait dit que le roi n'a aucun fils. Maman, allons-y maintenant. Et oh, tiens. Ils l'ont arrêté? Très bien. Très belle arrestation. Maman, de quoi est-ce que tu maman, parles? Elle le mérite. Maman, maman, allons là-bas. On l'a arrêté. Elle a eu ce qu'elle voulait. Hey, maman. Dis-le encore. Elle a eu ce qu'elle voulait. Très bien. Elle a eu ce qu'elle voulait. Maman, allez, 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 allez. Allez, maman, allons-y, non? Après l'avoir utilisé et l'utiliser et te fatiguer de ça, tu pourras le lui donner. Je vais lui donner. Maman, allons-y, elle est là-bas. Tu peux lui ici. Qu'est-ce qui arrive? Dégage ici. Mais toi, vas-y, va rester dans la prison, puis elle va sortir. Va rester dans cette prison. Vas-y, va la retrouver. Allons-y, non? Dégage ici. Mademoiselle, d'où sors-tu cette histoire? Et qui es-tu? Madame, je ne sais pas de quoi tu parles. Allez, je suis inoffensive. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Tu sais ce que le roi peut te faire. Ai-je l'air de quelqu'un qui a peur de qui que ce soit? Je ne veux rien te dire, madame. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Ah ah, ça veut dire quoi? Ok. Je suis ton ami. Vois-moi comme ton ami et fais-moi confiance. Je suis ici pour t'aider et te protéger. Tu ne peux pas souffrir pour les péchés d'une autre personne. Madame, je ne veux pas parler, veux dire, je ne veux pas parler. S'il te plaît, sors de ma chambre, je t'en supplie. Ou tu veux rester ici avec moi? Pas de souci, moi ça me va. Si tu veux rester ici, assieds-toi. C'est ton choix. Et tu as fait ton choix. Nous devons tuer cette fille immédiatement avant qu'elle ne nous descende. Oui. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu parles? Un roi? Tu veux faire de moi un meurtrier? Non. Votre Altesse. Pour t'acheter mes mains avec du sang? Non. Que préfères-tu? Est-ce que ce n'est pas mieux d'être un meurtrier que d'être un objet de caricature pour ton peuple? Non. Je ne suis jamais l'enfant d'autrui. Nous devons la faire parler d'abord. Parler de quoi? Cette fille que je vois est une sorcière. Ça se voit dans ses yeux. De ses origines, elle est une sorcière. Ne fais pas du mal à cette fille. Point final.
Obim dereju chukuma Maria mande meremo. Obim deredu nama chukune meremo. Obim deredu chukunari mara meremo. Obim deredu nama chukume meremo. Obim deredu chukumari nawa meremo. Obim deredu. Ok, attendez. Ah, Seigneur. Attendez, dites-moi la façon dont vous êtes tellement heureuse. Dites-moi, que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous célébrez? Que se passe-t-il? Loué soit le Seigneur. À jamais. Allez, dites-moi. C'est le sang qui bouillonne, dis-moi. Ma fille et moi, nous célébrons la paix. Oui. On a enfin la paix dans la maison de mon mari. Oui. Udo, Udo Nati. Oui. Attendez. Quelle paix n'avons-nous pas dans cette maison? Que nous célébrons soudainement maintenant. Avec Titi dans cette maison, y avait-il la paix? Il n'y avait pas de paix. Papa, ta fille prodigue, ta fille préférée, elle est maintenant une habitante de la prison royale. Exactement. Qu'a-t-elle fait pour se retrouver dans la prison royale? Regarde, la bouche, sa grosse bouche. Écoute, la faire terrer en prison. Elle a dit que la femme n'est pas le fils du roi. Alors, ils attendent toujours qu'elle dise donc qui est le fils du roi. Elle est là-bas. Hey! Maman, le plus important, c'est que nous ayons désormais la paix dans cette maison. Udo, Udo Nati. Maman. Hey! Unakuko. Okureku Nuanu. Si je comprends bien, vous jublez juste parce que... Ta sœur! Et ta femme a besoin, ouais, tu jubiles? Je peux encore comprendre ton cas, mais toi? Papa, mais c'est... Nama chukune meremo, obim deredu. Ichuku mariyama me meremo, obim deredu. Yama chukune meremo, obim deredu. Chuku mariyama me meremo. Maman, tu es terrible. Afam, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je te cherche. Pourquoi es-tu si inquiet? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es malade? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi la vérité, mère. Mon fils, quelle vérité? Qui suis-je? Tu es mon fils, mon enfant. Mon fils biologique. Et père? C'est quoi cette stupide question? C'est ton père biologique. Viens t'asseoir. Mère. Assieds-toi, mon fils, assieds-toi. Ne prête pas attention à cette stupide fille, elle ne sait rien. Mère. Oui, mon cher. Je ne veux pas réaliser en fin de compte que je ne fais pas partie de cette famille. Afam, bien sûr que oui, elle ment. Ok, regarde-moi très bien. Regarde la couleur de mon teint, ce n'est pas pareil que le tien. Regarde la couleur de nos yeux, ce n'est pas pareil. Ok, regarde nos nez. Mais maman, je ne parle pas de toi, je parle de père. Bien sûr qu'il est ton père biologique. S'il n'est pas ton père biologique, qu'est-ce que je fais ici? Je suis légalement sa femme. Il est marié à moi. Et je t'ai donné naissance. Alors comment se fait-il qu'il ait une grosse tête Tu m'as copié. Ne t'en fais pas pour comment il a l'air. Tu ressembles à ta mère. Tu n'es pas fière de ressembler à ta mère. Regarde comment tu es mignon. Allez, détends-toi. Ne laisse pas ça t'affecter. Ces tracasseries ne devraient pas te faire avoir l'air comme ça. Alors, est-ce que tu as mangé ou tu restes ici à te morfondre? Je n'ai pas mangé. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe?
Attendez, vous ne l'avez pas constaté? Constater quoi? Cela veut-il dire que vous êtes toute sourde ou aveugle? Cela veut-il dire que vous ne voyez pas ou n'avez pas entendu ce qui se passe dans ce palais? Afam n'est pas le fils biologique de notre roi. Hey! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que tu gagnes en mentant ici? Je ne suis pas en train de mentir. Je dis juste la vérité. Tu sais que je n'aime pas le commérage. Je ne suis pas comme elle. Il faut préciser, madame, que ce n'est qu'une rumeur. Pourquoi cherches-tu à compliquer les choses? S'il te plaît, si tu cherches qui mettre dans les problèmes, dis-leur que tu ne m'as pas vue. Je vous laisse toutes. Ouvre tes yeux et surveille-la de près. Rapproche-toi d'elle. En fait, sois ami avec elle. Comme ça, elle te fera confiance. Prends tous les détails et les informations dont nous avons besoin sur elle. Et je te donne 2 jours pour faire ça. Est-ce que c'est clair? Oui, Votre Altesse. Faites-moi confiance. Je te fais confiance. Tu peux partir maintenant. Merci, Votre Altesse. Fais attention. Dis-moi là où tu as reçu cette fausse information. Regardez cet homme. Donc, tu l'appelles toujours fausse. Pourquoi tu l'appelles toujours fausse? Tu me traites de menteuse? Eh bien, je ne veux juste pas parler. Est-ce que tu sais que je peux te faire tuer ici, sur le champ? Comment oses-tu propager une fausse information à mon sujet? Qu'est-ce que tu menaces? Ne me menace pas! Est-ce que c'est de ma faute? S'il te plaît, ne me menace pas! Tu penses que j'ai peur de toi? S'il te plaît, laisse-moi! Libère-moi! Sors de ma chambre! C'est quoi cette bêtise? Tu as perdu la tête? Je peux te faire tuer! Je le répète! Ne me fais pas te tuer! Ne brise pas mes bras! Ne casse pas mes bras! Espèce de folle! Maintenant, commence à parler! S'il te plaît, laisse-moi tranquille! C'est quoi ton problème au juste? Hé! Hey! Regarde, ne me fais plus jamais ça. Comment tu peux entrer dans la chambre de quelqu'un? Tu crois que j'ai peur de toi? La prochaine fois que je viendrai ici, je vais te couper ton cou. Ne me tente pas, oh. Prince, ne tente pas, oh. Quel prince es-tu même? Banane jaune, ne me tente pas, oh. S'il te plaît, sors, ce n'est pas ta chambre ici. Sors! Hey! Titieko. Je suis devenue une prisonnière. Titieko, la propriété d'Adjengoulé, vous l'avez transformée en prisonnière. Ne t'en fais pas, je vais bientôt sortir. Faites-moi sortir d'ici, oh! Faites-moi sortir d'ici, je n'ai tué personne! Votre Altesse, s'il vous plaît, hein? Pardonnez ma fille, s'il vous plaît. Hein? Okaka. Igwe. Rentre. Laisse-moi réfléchir. Je vais venir avec une idée de ce que je vais lui faire. Ou mieux encore, qu'elle me dise qu'il lui a dit cette bêtise qu'elle propage partout dans le royaume. Igwe, je sais vraiment pas là où elle a pris cette information. Je sais pas. C'est ça. Igwe, écoutez, j'aime beaucoup ma fille. Je savais que sa bouche allait la mettre dans les problèmes un jour. Ah. On s'est arrêté de parler. C'est bien. Alors elle va mourir entre mes mains. Igwe. Oui. Parce qu'elle ouvre beaucoup sa bouche. Alors la rigole qui va l'avaler sera extrêmement large. Igwe, s'il vous plaît. Tu sais ce qu'elle me dit. Tu lui as dit cette rumeur qu'elle a propagée partout. Que je découvre si c'est la vérité qu'elle dit. Sinon, elle va mourir ici. Non. Je te le dis, Okaka. Rentre à la maison, jusqu'à ce que ça prenne à parler. Quand elle va parler, alors elle va revenir à la maison. S'il vous plaît, mon... S'il vous plaît. Okaka, rentre.
Igwe, s'il vous plaît, je l'aime beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Une prisonnière. Ah! Moi, Titi Eko. Qu'est-ce qui m'a fait me revenir? Qu'est-ce qui m'a fait revenir pour subir toutes ces bêtises? Ces gens sont très méchants. Hein? Regarde comment ils t'ont abandonné ici sans nous tuer. Oh. Voilà pourquoi je déteste tous ces gens riches. Ils se comportent comme s'ils étaient des seuls gens dans ce monde. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a peur de qui que ce soit? Je n'ai peur d'aucun d'eux. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du tout. Écoute, je t'apprécie beaucoup. Mm-hmm. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Hein? En y réfléchissant, regarde le prince avec ses longues oreilles. Il ne ressemble même pas au roi. C'est juste qu'ils sont trop aveugles pour voir. Disciple, donc c'est toi qui dis ces choses? Je suis surprise. Oh. Mais oublie, hormis cette tenue royale que tu portes, tu es quand même intelligente. Tu as un cerveau. Tu vois cette chose que je lui ai dit, que le roi n'est pas le père de cet enfant, mais ils ne veulent pas m'écouter. Mais c'est la vérité. La personne qui m'a dit ça ne peut pas me mentir. Et moi aussi, je ne mens pas. Ah, je ne mens pas. Oh. Va te renseigner dans mon secteur, là où je vis. Ah, Dingoulé, numéro 3 au Laïtan. Demande qui je suis. Je ne mens pas. Prends de mes nouvelles. Je ne mens pas. Même les secteurs tout près. Même les rues d'Adjengoulé. Tout le monde là-bas me connaît. Moi, Titi Eko. Parce que je suis la collectrice des impôts. Et je ne mens pas. Mes mains que tu vois là sont très propres. Ils me connaissent tous là-bas. Ah, je suis très populaire, oh. Je suis très très populaire à Lagos. Donc tu veux dire que tu es populaire à Olaïta? Numéro 3 Olaïta, à Adjengoulé. Tout le monde connaît qui est Titi Eko. Je ne regarde personne, je fais mes choses très bien. Je suis la force des impôts. Je fais mon travail très bien. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Tu es une bonne fille. Et on veut me mépriser dans ce village, je ne vais pas l'accepter. Laisse-moi te dire quelque chose, hein. Je vais t'aider. Hein? Je vais t'aider. Mais avant ça, je t'ai apporté de la bonne nourriture. Eh, merci. La famille voulait déjà me tuer. Régale-toi, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est pour moi? C'est très bon. Régale-toi. Régale la nourriture. Merci, hein. Tu sais que je ne peux pas manger de bien. Hein? Et tu... Et tu apportes ta nourriture, tu n'apportes pas de l'eau. Je vais t'apporter de l'eau. Allez, vas-y, je veux de l'eau. Hein? Tu sais, tu es mon ami. Mon ami. Tu es vraiment un très bon disciple. Très bon disciple. Pas ceux-là qui ont trahi Jésus. Dépêche-toi, apporte-moi de l'eau. S'il vous plaît, laissez-moi voir ma sœur, s'il vous plaît. Aucune chance. Le roi a dit que personne ne devrait la voir. S'il vous plaît, laissez-moi juste, même si c'est une minute, laissez-moi juste poser mes yeux sur elle, je vous en supplie. Tu es malade? J'ai dit non. Hey, mais s'il te plaît, non. Pour que le roi me punisse, j'ai dit, va-t'en. S'il vous plaît. Papa, laisse cette affaire. Laisse cette affaire et rentre te reposer. Regarde, laisse-moi te dire. Je ne veux plus parler de cette chose encore. Que ça reste comme ça. Comme tu me vois là, je vais bien. Je ne veux plus parler à qui que ce soit. Ah. Oh, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Hein? Ça c'est quoi ça? S'il te plaît. Je veux dire, c'était une parole exagérée. Hein? Mais maintenant dis-moi. Qui t'a dit qu'un femme n'est pas le fils du roi? Papa de moi. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu es encore très loin, mais oublie ça. Je vais très très bien ici. Rien ne se passe. Je vais bientôt sortir. Au moins ici, je profite de la bonne nourriture. Je mange du poulet. Oh. Titi, s'il te plaît. Hein? Écoute, tu pourrais avoir raison. Mais ne pas être juste. Tu me comprends? Alors j'ai essayé de supplier le roi. J'ai supplié, j'ai tout fait. Mais il a refusé de te libérer. S'il te plaît. Papa, ne le supplie pas. Laisse cet homme qui se croit tellement intelligent alors qu'il n'a rien. Laisse-le juste. Moi que tu vois là, je suis très très bien ici. Oui, mais je sais que je vais sortir d'ici. L'un de les disciples a dit que d'aller m'aider à sortir de cet endroit. Vite, vite, j'irai à Lagos. Je serai de retour et rien ne va changer. Je vais bien, ne te dérange pas. Rentre à la maison. Je vais bientôt rentrer. Titi. Ah,
Et tu as cru à ce disciple? Ce disciple, elle m'aime très bien, oh. Elle me donne du poulet, de la bonne nourriture, elle me donne des œufs, elle me donne de l'eau, elle me donne tout. Écoute, tu sais que je t'aime. Même ce genre de vin de palme que tu aimes, elle m'apporte ça. Oh, arrête ça, ce n'est pas le temps de blaguer. Tu es là maintenant, Emma. Moi, ça, papa, je suis au paradis. Tu sais, depuis que tu es venu, je suis très heureux à la maison. Maintenant que tu n'es pas là, je suis très triste. Tu sais que j'ai ma source de joie, s'il te plaît. Laisse tomber. Qu'est-ce qui m'arrive? Anyurinka, donc tu penses que tu peux coucher avec mon homme derrière mon dos? S'il te plaît, Idioma. Tu penses que tu peux coucher avec le prince à femme, n'est-ce pas? Pardon, Idioma. Je n'ai pas le temps pour ce drame. Tu n'as pas de temps pour le drame. Si j'oublie ma main sur ton visage maintenant, tu auras le temps. Anyurinka, donc tu couches avec mon homme derrière mon dos? Hein? Ton homme? Oui, mon homme. Idioma, s'il te plaît, je n'ai pas du tout le temps pour ça. Hey. Notre frère est à prison, tu es ici à parler d'un homme. Tu es sérieuse? Eh bien, je n'ai rien à voir avec le prince à femme. Tu peux l'avoir tout pour toi. Mon ami, reste là. Quand je te parle, tu m'écoutes. Qui est ta sœur? Qui en prie? Quelle mère là-bas, je m'en fiche. Écoute, je t'avertis pour la dernière fois. Je ne veux plus jamais te voir avec le prince à femme. Tu m'as entendu? N'essaye plus jamais de t'approcher de lui. C'est mon homme. Hein? Tu as compris? Idioma. Idioma, laisse-moi. Attends, tu n'as pas honte de toi-même? Que croyais-tu? Que le prince allait t'épouser? Hein? Après que tu aies fini de te foutre en l'air avec tous les hommes de ce village? Ah! Tu es malade? Tu es stupide? C'est à moi que tu parles comme ça? Tu me parles comme ça à cause de cette sorcière Yoruba, hein? Très bien. Je vais m'occuper de toi dans cette maison. C'était bon? Oui, Votre Altesse. Merci. Oui. Merci. Assure-toi qu'il n'y a aucune trace. Tout doit être simple et propre. Oui. Les détails et tout ce dont tu auras besoin sont dans cette enveloppe. Et assure-toi qu'il n'y a aucune trace. À plus tard. Voyons comment ça va se passer. Voyons donc comment ce jeu va se dérouler. Ah. Je sens qu'on va s'amuser. Je peux vous aider? Ne soyez pas en colère, madame. Est-ce que c'est ici, numéro 3, au Laito? C'est ici. Vous voulez vous chercher quelqu'un? Oui, nous cherchons Mama Titi. Une madame, Yetunde. Yetunde? Yetunde? Oui, celle qui vend les pommes. C'est moi. Pourquoi? Vous voulez acheter des pommes? Eh, mon frère, c'est le moment. On le fait comme on l'a prévu. Demande un sac d'argent. Apprends full camp d'ici. Hey! Quoi? Comment ça? Cherche cette femme et tue-la le plus tôt possible. Tue-la immédiatement. Quoi? Quelle bêtise! Que vais-je faire? Qu'est-ce que je... Votre Altesse. Qu'est-ce qu'il y a? Votre Altesse, nous devons tuer cette femme immédiatement. Elle est en train de salir l'image de notre famille et notre fils ne mange même plus.
Écoute, si tu ne veux pas la tuer, je vais la tuer moi-même et assumer la responsabilité. Laisse-moi te demander, pourquoi veux-tu tant qu'elle meure en premier lieu? Pourquoi? C'est bon. Je vais la bannir et ensuite l'envoyer quelque part très très loin. C'est tout? Oui, je veux dire, Ukaka, son père, lui a déjà parlé. Mais elle refuse tout genre de conversation. Quelqu'un qui a refusé de répondre à son père est la personne que tu essaies de protéger. Pour une fois, écoute le conseil de ta femme. Écoute, femme. Laisse-moi prendre mes propres décisions. Pour l'amour de Dieu, ne me mets pas la pression. Laisse-moi juste prendre mes propres décisions. N'importe quoi. Ça, c'est quand tout sera... Cette femme est méchante. Tu dois aller dans ce royaume Igbo et l'exposer, je t'assure. Je vais partir. Je vais entrer dans le bus cette nuit même. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette femme. Je ne sais pas pourquoi elle me cherche un jour cette fois-ci. J'ai même envoyé Titi rester avec son père. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon enfant. Hein? Maman Titi, laisse-moi te dire. Tu dois aller là-bas et lui faire savoir que tu as vu les gens qu'elle a envoyés pour te tuer. Ces gardes ne pouvaient même pas imaginer que je comprenais l'Igbo. Ils ne savaient pas. Je m'en vais me préparer. Cette femme est méchante, tu dois lui régler. Je vais prendre le bus de nuit. Tu dois le faire. Même pas. Va te reposer. On part plus tard. Mon ami. Comment tu vas? Je vais bien. Je t'ai apporté de la nourriture, la bonne nourriture comme tu aimes. S'il te plaît, je ne mange pas. Je ne mange pas. Pourquoi? Pourquoi dois-je manger? Suis-je ici pour manger? Qu'on me libère pour que je puisse sortir de cet endroit, non? Ai-je tué quelqu'un? Écoute, tu sais que je t'ai promis de t'aider à sortir d'ici. Hein? Je vais t'aider. Mais si tu es fatiguée, dis au roi le nom de la personne qui t'a dit ce que tu disais. Je ne peux pas. Je ne peux pas tenter. Dans ce cas, mange ce repas et meurs. Espèce d'idiote. C'est quelle bêtise ça même. Si j'étais à Lagos, on n'allait pas me faire ce qu'on est en train de me faire là. Si c'était Lagos ici, il n'allait pas l'essayer. Qu'est-ce que j'ai fait, non? Ah! Qu'on me libère juste. Mon ami, calme-toi. Calme-toi et mange ta nourriture. J'ai dit que je ne mange pas. Ça veut dire quoi? Je ne mange pas. Prends ces choses et va-t'en. C'est de la bonne nourriture. La bonne nourriture comme tu aimes. Disciple, on dirait que tu es devenue sourde. J'ai dit que je ne vais pas manger. Hein? Qu'on me libère. J'espère que vous m'entendez. Libérez-moi que je sorte d'ici. Je ne tue personne. Oh. Ah, c'est quoi cette histoire? Votre Altesse, elle a refusé de manger. Quoi? C'est quoi ce genre de fille? Je ne sais pas. J'ai essayé tout ce qui était à mon pouvoir pour qu'elle mange, mais elle a refusé de manger. C'est bon. Jette juste la nourriture. Ne laisse personne d'autre la manger. En fait, ne laisse personne te voir en train de la jeter. D'accord, votre Altesse. Fais-le discrètement. Très bien, votre Altesse. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi cette merde dans laquelle je me suis mise? Comment suis-je en arrivée là? Igwe, vous ne devez pas prendre cette affaire de cette façon. Qu'est-ce que je dois faire? Conseillez-moi. Majesté, que la reine jure devant les dieux, ou mieux encore, puissiez-vous tous les deux, eh bien, faire un test ADN sur le prince. Avec cela, vous saurez la vérité. Je crois que tu as raison. Je vais l'appeler sur le champ. Garde. Votre Majesté. Igwe. Va chercher la reine immédiatement. Oui, votre Majesté. Oui, votre Majesté. Bonne pensée. Oui. C'est ce que je dois faire. Oui, parce qu'avec un test ADN, tout sera dévoilé. Attends, père. Prends un coup, ok?
Est-ce que tu doutes en fait que je sois ton fils? Eh bien, tu m'as donné des raisons pour douter. La façon dont tu te comportes n'est pas la façon dont ton sang royal devrait se comporter. Alors... Votre Altesse, une fois que ceci sera fait, je ne serai pas contente de toi. Ça signifie que tu ne me fais pas confiance. Eh bien, la confiance se gagne. Je veux savoir ce que je fais. Cette fille ne peut pas juste dire ces choses pour rien. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Et je veux découvrir si c'est vrai ou pas. Tu veux confirmer que c'est vrai? C'est bon. Je suis assis ici, que le docteur vienne. Mais une fois que tu vas réaliser que je suis vraiment ton fils, n'essaye même pas de me supplier. Parce que je vais faire quelque chose de terrible. Ah, allez, fiston. Si je découvre que c'est positif, je vais m'excuser. Je suis aussi simple que ça. Alors, que va-t-il m'arriver? Qu'en est-il d'étirer ma personnalité dans la peau? Que va-t-il m'arriver? Oh, le docteur. Igwe, salutations au roi. Bienvenue, assieds-toi s'il te plaît. Prince. Docteur, combien de temps est-ce que ça va te prendre pour faire un test ADN et m'envoyer les résultats? Si je fais les prélèvements maintenant, les résultats seront prêts demain matin. Ah, très bien alors. Je veux les résultats très tôt, à la première heure. Ok? Amène-le directement ici. Pourquoi attendre demain? Voilà, prenez l'échantillon de mon sang. Allez-y! Oui, vas-y, prends-le. Mon peuple, voici en effet le moment trouble. Je vous ai appelé ici parce que je voudrais vous mettre au courant de cette situation afin que je ne prenne une décision. Concernant la rumeur que cette fille Ruba a propagée dans tout le royaume. J'ai dû faire que mon fils Afam subisse un test d'ADN pour savoir s'il est mon fils ou pas. Pour cette raison, j'ai employé l'effort et l'expertise d'un docteur. Aujourd'hui, le docteur est ici avec les résultats. Je veux tous vous assurer que lorsque les résultats seront lus, si c'est positif, je vais décapiter cette fille Yoruba immédiatement. Si c'est négatif, alors le reste de la guerre sera entre ma femme et moi. Nous te remercions, Igwe. Arrête de faire l'imbécile. Dis la vérité avant que Igwe n'ouvre le test. Ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai dit. Et tu vas mourir pour ça. Crois-moi, tu vas mourir pour ça. Eh bien, docteur, est-ce que je peux l'avoir? Voilà. Le résultat est positif. Tu vois? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Afam est mon fils. Il est le prince de cette terre et le futur héritier du trône de ce royaume. Tu as vu ça? Tu as vu? Est-ce que tu as vu ça? Laisse-moi. Est-ce que tu as vu ça? Laisse-moi. Est-ce que tu as vu ça? Laisse-moi. Tu as vu ça? Laisse-moi. Est-ce que tu as vu ça? Ma reine. Ça veut dire quoi toutes ces bêtises? Mon mari. Yedonde! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue ici pour faire la paix avec toi. S'il te plaît, peut-on aller à la maison et causer? Allez où? Allez où? Au moment où nous parlons, notre fille est enfermée dans le palais du Igwe. En fait, Igwe veut la tuer. La tuer? D'après eux, ils disent que notre fille a dit que le fils du roi n'est pas le fils du roi. Je suis confus. Elle a dit quoi? Hey! Hey! Mais écoute, oh, allons-y, allez, on y va! Cette fille ne va pas me tuer. Allons-y, allons-y. Igwe, je vous en prie. Aie pitié. S'il vous plaît, pardonnez-moi. C'est ce que j'ai entendu que j'ai dit. C'est ma mère qui me l'a dit, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît. Tu n'étais pas sûre? S'il vous plaît. Tu n'étais pas sûre? Et tu racontais tout ce que tu racontais, causant ainsi le chaos dans tout le royaume. Ah, ah. Tu n'étais pas sûre?
une fois que j'aurai fini de m'occuper de toi, les oreilles de la souris seront mieux que les siennes. Ah, s'il vous plaît. Oui, je vais passer de m'appeler la police pour te récupérer. On la ferme. Mais je vais aussi te bannir de ce royaume. Ah, Igwe. Je suis morto. Igwe, s'il vous plaît, ne bannissez pas ma fille. Ah, ma mère est venue. Igwe, tu ne peux pas bannir ta propre fille. En fait, Afam n'est pas ton fils, c'est le mien, c'est mon fils. Mais Titi, que voici ton véritable enfant. Ah! Ma reine, pourquoi ne dites-vous pas la vérité? Comme ça, tout le monde retrouvera la paix. Ma mère à moi. Oui? Mais que dis-tu? Cette femme a envoyé des bandits à Lagos pour venir me tuer. Ah! Quoi? Ma reine, est-ce que c'est vrai? Docteur, pourquoi est-ce qu'elle parle? Majesté, je vais confesser. Mais ne me tuez pas, je vous supplie. La reine ici m'a payé pour fausser les résultats. Hey! Et je l'ai fait. Hey! Je l'ai dit! Maintenant, j'espère que vous allez me croire. Ah! Vous voyez? Votre Altesse, s'il te plaît, donc, ne me tue pas. Je t'en prie, je t'en supplie. Ne me tue c'est pas. C'est toi qui as fait ça? Je suis désolée. Ça s'est passé il y a de cela longtemps. J'étais juste désespérée d'avoir un garçon. Je suis désolée, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, mon peuple, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari. Oui. Ça fait maintenant 3 ans que nous sommes mariés, mais toujours pas d'enfants. J'ai eu un tas de fausses couches. Je suis fatiguée. Je suis c'est fatiguée. Bon. Arrête je ça. Suis fatiguée. Pourquoi je ne peux pas être comme les autres femmes. C'est bon, pourquoi? Ça va aller. Ça va aller, s'il te plaît. Viens là. Assieds-toi. Assieds-toi. Je t'ai dit que le temps de Dieu est le meilleur. Au moment venu, il va nous donner un enfant qui va rester. Au moment venu, il va nous donner un enfant qui sera permanent. Ok? Tu dois arrêter ça. Viens là. Je sais que je n'aime pas te voir comme ça. C'est bon. Arrête. Monsieur, où est ton semblable, mon frère? Je suis en train de te parler, es-tu sourde? Oh, le voilà. Sorcière. Qu'est-ce que je t'ai entendu dire à ma femme? Est-ce que tu es mariée? Je ne le savais pas. C'est quoi cette question stupide? Hein? Ah, je suis désolée, oh. Je ne savais pas que tu étais mariée. Désolée. Tout ce que je pouvais voir se placer Yo, devant moi. Est-ce que tu peux arrêter ça? Je ne peux que voir un arbre devant toi, alors qu'est-ce qu'il y a? Désolée. Yuma! Yuma, est-ce que tu es stupide? Allez, Fulcan, d'ici! Tu veux me chasser à cause d'elle? Est-ce que tu peux partir d'ici maintenant? Je vais partir. Fulcan! Est-ce que tu essayes de me faire partir à cause... C'est ton mari, Fulcan! Ne me pousse plus comme ça, si tu essayes encore, je vais appeler mon mari. Attends, Fulcan! Il me frappe à cause de toi. Ah, c'est ton mari! Il me frappe à cause de toi, n'est-ce pas? Ne c'est t'en fais pas, mettant. Je vais revenir pour toi. Allez, Fulcan! Allez, Fulcan!
Est-ce que tu es dans une compétition de beauté? Je sais que tu es belle et tu voulais juste me montrer comment. Mon amour, devine. Quoi? J'ai 3 semaines de retard. Tu veux dire que tu es enceinte? Hein? Tu es enceinte? Oui. Ma chère, est-ce que tu es sérieuse? Oui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je suis tellement content. Je suis tellement content. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mon roi. J'espère juste que ça va rester. Ma chère, le Dieu qui t'a encore donné cet enfant fera qu'il reste. Ok? Oh, ma chère, je suis content! Je suis content! Oh. Que vais-je faire maintenant? Le docteur a dit que c'est une fille, mais je dois avoir un fils pour le bonheur de mon mari. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Je sais que j'ai besoin d'un enfant, mais un fils aurait été préférable. Le docteur a dit que je ne pourrais plus concevoir après ce bébé. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Ah, ma reine. Bonjour. Où est-ce que tu vas? Je suis en train de rentrer. Pourquoi ne viens-tu pas pour que je te raccompagne? Vraiment? Oui. Merci beaucoup. De rien. C'est rien. S'il te plaît, Yetunde, fais ça pour moi. Je te promets que je vais fortement te récompenser. Votre Majesté, je comprends vos inquiétudes. Mais comment je peux être sûre que cet enfant que j'ai en moi est un enfant mâle? Vous savez que les médecins se trompent souvent. Yetunde, ce que tu portes là-dedans est un garçon. Selon l'échographie, tu portes un garçon. Donne-moi l'enfant et tu prendras la mienne. S'il te plaît, Yetunde, le docteur a dit que je ne pourrai plus concevoir après cet enfant. Mais toi, tu le pourras. Tu le pourras autant que tu voudras. S'il te plaît, sauve mon mariage. Sauve ce royaume et son peuple. Et je te promets, sur tout ce que j'ai, que je ferai absolument tout. Vraiment tout pour te rendre heureuse. S'il te plaît, Yetunde. Yetunde. Yetunde, je n'aime pas ça. Ah ah. Donc, tu veux commencer à m'extorquer de l'argent juste parce que tu m'as fait une faveur? Anao. Ma reine. Mes enfants et moi avons faim. Mon bébé a vraiment faim. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Je t'ai donné de l'argent. Oui, je t'ai payé comme je l'avais dit. Alors pourquoi reviens-tu pour me demander plus d'argent? Pourquoi? Ok, c'est bon, c'est bon. Je vais te donner un peu d'argent. Mais ne reviens plus. Ne reviens plus jamais ici pour me demander de l'argent. Parce que si tu essaies, tu vas vraiment avoir affaire à moi. Donc maintenant, c'est ce que tu me dis? Il n'y a pas de souci. Je m'en vais. Non. Non, s'il te plaît, ne t'en va pas. Je ne vais pas attendre, comme tu m'as prouvé que tu n'es pas une bonne femme. Pourquoi est-ce que je suis censée te supplier pour cet argent? Je ne le ferai pas.
Votre Altesse. Pardon, je suis désolée. Mais ça, c'est la sorcellerie. Wow. Abomination. C'est pour ça. Je veux dire, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, Votre Altesse. Ne me touche pas. Yetunde. Oui, Okomi. C'est la raison pour laquelle tu as fait avec mon enfant? Oui, Okomi. Oui, Okomi. Cette même nuit, quelqu'un a essayé de me tuer avec Titi. J'ai dû m'enfuir pour sauver ma vie. Titi, s'il te plaît, je suis... Tu es un diable. Un diable horrible. Et tu ne mérites pas d'être la reine de ce royaume. Vérité. Vérité. Si bien dit. Je suis désolée, mon peuple. Je suis désolée. J'étais juste désespérée pour mon fils. Je suis désolée. Je suis désolée. Regarde-la. Ça, c'est de la méchanceté. Titi, je suis désolée. Je suis désolée, mon peuple. Je suis désolée. Titi. Tu es malade? Laisse-les! Laisse-moi tranquille! Laisse-les! Laisse-moi aller! Ne pars pas là-bas, si tu y vas, ça sera plus honteux, hein? Écoute, mec, laisse-moi partir, tu as perdu la tête! Ne pars pas là-bas! Écoute ce que je t'ai dit! Si tu vas là-bas, ça sera plus honteux! Hein? Comment tu peux aller là-bas et commencer à dire, c'est pas ton père, c'est mon père, c'est mon père, c'est pas ton père, c'est mon père, c'est pas ton père? Donc ça veut dire que cette fille aura le droit de vivre dans cette maison? Laisse-les! Laisse-les finir tout ce qu'ils sont en train de faire! Et quand elle va venir ici, eh bien, tu vas t'occuper d'elle. Fais malade. Cache ton visage. Non. Va dans ta chambre, dans ta chambre. Je vais aller voir. Allez, allons-y. Va dans ta chambre. Je suis ton ami. Quand je t'ai dit d'avancer, tu avances. Allez. Hey. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, la femme n'est même pas l'office du roi. Nous sommes foutus. Comment vais-je aller voir le roi et lui dire que je suis enceinte ta femme? Comment? Écoutez, nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons nous rendre chez Okaka qui est maintenant son père. Nous n'avons pas d'autre choix. Hein? Écoutez, je ne vais pas vous suivre dans la maison d'Okaka. Je vais directement voir le roi pour lui dire ce qui s'est passé. Il ne faut pas couiller en Adeka. C'est mieux. C'est mieux de cette façon. Votre Altesse. S'il te plaît, je suis désolée. Mon mari, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Je déteste quand les gens font les choses délibérément et puis ils disent qu'ils sont désolés. Igwe, je vous en prie, pardonnez-lui. S'il vous plaît, je plaide en sa faveur. Plaider pourquoi? Cette femme est maléfique. En fait, sors de ce palais. Laisse-nous tranquille jusqu'à la fin de cette réunion. J'ai dit va-t'en. Tu veux que je dise aux gardes de te mettre dehors? Je suis désolée. Je suis désolée. Aidez-moi à le supplier, s'il vous plaît. Effrontez. Je suis tellement désolée. N'importe quoi. Mon bébé. Ma titi. Je l'ai perdu. Où est Afam, mon fils? Que je le ramène à la maison. Afam. Afam est dehors, au caca. Va le retrouver dehors. Il est ton fils. Il n'est pas mon fils. Il n'est pas le prince. Il n'est pas l'héritier de ce trône. Va le retrouver dehors. Oui, c'est, Igwe, oui, c'est mieux pour moi. Igwe, tant mieux. Calme-toi. Igwe, s'il te plaît, calme-toi. Ne me dis pas de me calmer. Non. Vous êtes calme. Ne me dis pas de me calmer. À cause de ta santé, calme-toi. Je vais très bien. Tu as tout faux. Il veut maintenant mettre tout le palais en feu. Je t'en prie. Un homme casse sa maison en feu. Ne cherche pas les souris. Je sais. Igwe, calme-toi. On peut régler ça plus tard si tu veux. Non, qu'il parte. Kamalo Naira. Je sais. Je ne vais permettre aucun mal. Quoi? Ça, c'est incroyable. Ao! Maman, je ne peux même pas y croire moi-même. Hey! C'est quoi ça? Donc, c'est ce que toi et la reine vous avez fait? Hein? Fia, c'est une honte. C'est pour ça que je me suis enfuie d'Okaka en premier lieu. Continue de t'enfuir, tu ne peux pas rester ici. Pas du tout. Je ne suis pas intéressée. Regarde, laisse-moi te dire.
Tu ne peux pas rester ici. Pas du tout. En ce qui me concerne, je ne peux pas. En fait, je ne vais jamais partager mon mari avec toi. Je ne le ferai pas. Et qui est-ce qui est intéressé à partager ton mari avec toi? Et qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Mais maman, qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ça? Maman, ça veut dire quoi? Affamé maintenant notre frère. Regardez-moi celle-ci. Est-ce que tu es mon enfant? Est-ce que tu es sorti de mes entrailles? Ou quelqu'un t'a mis au monde? Regarde si tu ne la fermes pas. Arène, c'est ton frère. S'il est ton frère, il n'est pas mon frère. Et je ne suis pas prête ni disposée à partager mon mari avec qui que ce soit, même pas elle. Pas dans cette maison. Au cause ou en canco. Bien, bien, pané. J'ai bien entré ici. N'importe quoi. Ma chérie, laisse-toi tranquille. Maman. Maman, c'est quoi ça? Maman, c'est quoi ça? Tata, ne t'en fais pas. Personne ne doit t'ennuyer. Tu vas rester dans cette maison. Regardez-la. Dégagez-la. Ne me touche pas. Dégagez de là maintenant. Ma fille, laisse-la. Pourquoi? Laisse-la. Viens. Viens par là. Ma coépouse, calme-toi. Tout peut s'arranger. Tout peut s'arranger dans le calme. Qui est ta coépouse? Elle est ta coépouse. Elle est ta coépouse. Tata, prends place. Jamais de la vie. Maman, elle a dit coépouse. Tu ne seras jamais ma coépouse. Et tu n'es pas ma coépouse. Pas dans cette maison. Va-t'en. Tu ferais mieux de partir. Comment on l'appelle? Va-t'en. Ma, Okwama, Gawé, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Tu ne vas pas rester maman, ici. Maman, elle va entrer. Ah. Fous ton misérable du corps hors de ce palais, maintenant. Hé, laisse-moi. Je te prends pour qui? C'est moi que tu oses toucher? Moi? Je vais te montrer que je suis une fille de Lagos. Ah, femme, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu te bats avec une femme? Tu veux la tuer? Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé. Essaye. Ah, femme! Allez, arrête! Non, ne m'aide pas! Arrêtez-le! Tu te prends pour qui? Ah, femme, arrête! Ne me sorte pas! Arrête! Je vais te découper! Attrapez-le! Je vais te découper! Je vais te tuer! Arrête ça! Ça t'attaque, je parle! Je vais te tuer! Sors de ce palais! Tu ne peux pas! Arrête ça! Je n'ai pas peur de toi! Arrêtez ça! Tu veux me faire ça? C'est lui de foutre le camp de ce palais maintenant! Regarde-toi! La jalousie va te tuer! Femme! Tu vois cette maison? Elle appartient à mon père! Je suis devenue la fille du roi! Toi, tu vas sortir d'ici! J'ai folle! Titi! Tu ne peux pas! Ne joue pas avec moi! N'ose même pas jouer avec moi! Qu'est-ce qui va avec toi? Ne me tente pas, oh! Femme! Ne me tente pas! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est lui de foutre le camp de ce palais maintenant, père! Écoute, si tu n'arrêtes pas cette folie, je vais appeler la police! Mais c'est quoi cette embrouille? Appeler la police pour qui? Je m'en fiche! Tu peux appeler le FBI, la CIA, n'importe qui! Je m'en fous, je ne quitterai pas ce palais! Maintenant, dis à cette misérable fille de sortir de ce palais! Ne joue pas avec moi! C'est avec ta tête que je vais sortir! Je vais la couper avant de sortir! Donne-la-moi! Tu es fou! C'est moi qui suis son enfant! Donne-la-moi! Tu vas sortir, c'est moi qui te le dis! Prends ça! Espèce d'abruti! Va la garder! Va à l'intérieur! Va à l'intérieur maintenant! Tu ne peux rien faire! J'ai dit, va à l'intérieur! Tu n'as encore rien vu, c'est ma maison ici! Tu vas mourir! Mais viens me faire sortir! D'entrer. Tu es malade! Cette folie. Tu dis à cette fille d'entrer! Pourquoi? Arrête qu'elle sorte maintenant! Afin mon fils rentre dans la maison! Tu suis en train de te parler! Arrête ça! Qu'est-ce que tu racontes, père? À qui tu parles, hein? Tu es en train de perdre la maison! Je vais brûler ce palais, ça ne va pas maintenant! Afin! Je suis ton père, rentrons, s'il te plaît! S'il te plaît! Dis à cette fille de partir d'ici. Ma femme, je ne vais plus me répéter. Arrête ça une fois pour toutes. Pourquoi tu choisis son camp? Pourquoi prends-tu son camp? Je ne vais pas quitter ce palais. Je n'irai nulle part. Regardez l'homme qui se prend pour mon père. Je vais te tuer. Et maintenant que tout a changé, j'espère que tu seras toujours son ami. Maman, j'ai perdu la tête. Je suis malade? Je suis stupide? Hein? Pourquoi je voudrais être son ami? Il n'est plus le prince. Alors ça suffit, c'est bon. Ça sert à quoi d'être son ami? Je ne fais pas ces... Si tu n'es pas de la royauté, tu ne peux pas être mon ami. Oui? Donc maintenant qu'il n'est plus un prince royal, il ne peut plus être mon ami. Je veux être un prince. Je veux être ami avec des gens royaux. Grand frère, c'est pour ton bien, oh. Ha. Sinon, tu auras les problèmes un jour. Laisse-moi m'asseoir. Tu as vu maintenant? Tu as vu?
Si avant tu étais dans les embrouilles avec ce soi-disant prince, je me demande ce que serait ta vie maintenant. Nemo, demande-lui. Papa, comme tu me vois là maintenant, hein, je suis dorénavant un nez de nouveau. Oui. Le prince à femme... Qu'est-ce que j'appelle même prince? Hein? Quel prince? À femme ne me verra plus jamais, même un peu, près de lui comme ça. N'en parlons même pas d'aller chez lui. Hein? Est-ce que je vais aller me mélanger avec mon semblable? Non, pas du tout, il ne me verra plus comme je suis là maintenant. À femme, c'est fini, je n'en veux plus. Ce dont j'ai en tête maintenant, c'est quitter ce village, aller en ville. C'est ça qui me préoccupe actuellement. C'est très important, Otito. Bien. Yogo mega mega Otito. S'il te plaît, fais-le. Va gagner de l'argent et viens prendre soin de nous. Otito, tu sais, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Maman, qu'est-ce que je vais aller faire? Naï. Est-ce que ce n'est pas bien bon? Qu'est-ce que je vais gagner? Maintenant que je suis né de nouveau, sers-moi quelque chose que je mange. Hein? Comme un homme qui vient de se repentir. Tu sais qu'on demande souvent la nourriture. Pas. Je crois qu'il le mérite. Apporte-lui quelque chose, comme ça... S'il te plaît, apporte-moi à manger. Vous voulez que je redevienne comme avant? Ne change pas. Otito, essaye de t'aider toi-même. Maman, je me remets sur pied, c'est pour ça que... Aide-toi toi-même. Si tu veux que je devienne un prêtre, je serai un prêtre. C'est exactement ce que... Donnez-moi à manger. Je vais retourner à mon ancienne fille. Nourriture. Allez, vas-y, je crois qu'il a changé. Apporte-lui à manger. Même maintenant que j'ai changé, tu ne me donnes pas à manger. Tu veux peut-être que je change d'avis? Ne le fais pas, s'il te plaît. Mon fils, ne le fais pas. Parce que maintenant, j'aime ton nouveau statut. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici, femme maléfique? Ah, femme, je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir menti. C'est que je ne voulais pas te perdre. S'il te plaît, je suis désolée. Mon fils, je t'aime. Je t'aime tellement. Tu aimes qui? Je t'ai demandé ça à plusieurs reprises. Mais tu as refusé. Tu as refusé. Tu m'as menti. Et tu es placé là à me dire que tu m'aimes? Non, c'est que... Fous le camp de ma présence maintenant, avant que je ne fasse quelque chose que tu vas regretter. Maintenant! Ah, femme, si tu veux, tue-moi. Coupe mon cou ou n'importe quoi. Viens. Peu importe ce que tu me fais, je vais continuer de demander pardon. S'il te plaît, ah, femme, pardonne-moi. Je suis encore ta mère. Écoute-moi bien, laisse-moi te dire. Je ne vais jamais quitter ce palais. Jamais! Ici, c'est ma maison. Et puis, c'est tout. Mon fils, s'il te plaît, ne continue pas de causer des problèmes. Même si le roi veut que je parte, je vais partir avec toi. Tu vas partir. Toi, c'est toi qui partiras. Tu dois sortir de ma vie. Tu vas avoir des ennuis. Et ça vient juste de commencer. Ah, femme, s'il te plaît, je suis désolée. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es toujours mon fils pour de bon. Je t'aime, ah, femme, je t'aime. Ah, femme, je... Désolée. Regarde-moi, je suis désolée. Je suis désolée, mon fils, je suis désolée. Je suis désolée, s'il te plaît, viens. Je suis désolée. Regarde-moi, je suis désolée. Je peux me mettre à genoux pour toi pour implorer ton pardon. Reviens-moi juste, infâme. Infâme, s'il te plaît, pardonne-moi. Chukunonye! Hey! Titi de titi! Papa de papa! En ce qui me concerne, tu es toujours ma titi. Bien que les choses se soient passées de cette façon, hein, tu es toujours ma fille. Et personne ne pourra le changer. Je pourrais ne pas être ton père biologique. Mais tu resteras ma fille jusqu'à la fin des temps. Hein? Tu es une princesse maintenant. Nous sommes très contents. Donc, je continuerai de prier pour toi. Hein? Dieu sera toujours avec toi. Tout ce que tu feras sera réussite. Amen. Cette lumière que tu as portée de Lagos brillera sur nous tous. Amen. Ainsi j'ai prié, ma titi de titi. Merci beaucoup, papa. J'apprécie tout ceci. Je vous en prie, je demande à chacun d'entre vous, hein? S'il vous plaît, vivons tous dans la paix. Laissons cette guerre. Arrêtons de nous bagarrer. Dieu nous a bénis. Parce que comme je suis une princesse, je vais m'assurer que vous ne manquez de rien.
Je vous en prie. Mama Ijoma, je t'en supplie. Laisse que ma mère reste avec vous dans cet endroit. Pardon, vivez tous dans la paix. Peu importe ce que vous voulez, dites-le-moi seulement. Je vais le faire, pourvu qu'il y ait la paix. Je vous en supplie, je vous en supplie. Si, oh momie. Ma mère à moi. Tu vas beaucoup me manquer, ma fille. Tu vas aussi me manquer. Oh. Tu vas me manquer le plus. Mais ne t'en fais pas. Je viendrai te rendre visite. Tous les jours. Tu ne manqueras jamais de rien dans cette vie. Je vais m'assurer que tu ne manques de rien, hein? Merci, ma fille. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Et aussi, j'aimerais dire que je suis désolée. Je suis désolée pour la façon dont je t'ai traitée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Et s'il te plaît, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas. Je ne vais pas vous laisser. J'allais vous dire à toi et à Noiri que vous veniez vivre avec moi au palais. Hey. Merci. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Merci. Merci. Titi. Titi. S'il te plaît, pardonne-moi. Quoi que j'ai pu faire contre toi, j'en suis vraiment désolée. Yetunde. Ne t'en fais pas. On vivra en paix dans cette maison. Oui. Et quand Afan viendra, je le prendrai comme mon propre enfant. Il n'y aura plus de guerre dans cette maison. Oui. Egaïba! Aïe! Regardez-moi. Un homme avec deux femmes. Oh, Komi. Arami. Ma titi de titi. Papa. Tu vois comment Dieu m'a béni? Dieu m'a béni. Mais Titi, hein? Tu sais, j'ai besoin d'un remontant. Allô? Oh, Tito. C'est un mensonge. Tu n'es pas sérieux. Hey! C'est tellement incroyable. Oh, Tito. Ah! C'est pour ça que je t'ai dit de quitter ce prince et de venir en ville. Tu vois? Hein? Ah! Ce n'est pas vrai. On aura tout vu sur cette terre. Ok, tu viens aujourd'hui? Oh, tu es déjà en route? Non, il n'y a pas de problème. Je suis à la maison. Je t'attends. Ne t'en fais pas. Viens. Viens juste. Je t'attends. Regarde, ce que tu vas faire, c'est de continuer à m'appeler. Comme ça, je pourrai te diriger. Je ne veux pas que tu te perdes dans cette ville. Hein? Oui, je vais t'attendre à la maison. Il n'y a pas de souci. Yusowa Adoro. Hein? Nguan, bon voyage, ok? Abby! Abby, viens haut. Adama. Hmm? Qu'est-ce qu'il y a? Abby, on aura tout vu sur cette terre. Hey! Sais-tu ce que je viens d'entendre? Je ne sais pas, dis-moi. Le prince de mon village n'est pas le vrai fils du roi. Hey! Tu as recommencé, Adana. Tu as recommencé. Quoi? Que veux-tu dire par j'ai recommencé? Attends, comment est-ce que c'est possible? Hey, comment est-ce que c'est possible? C'est très possible. C'est très possible, oh! Ha! De toutes les façons, ce ne sont pas mes affaires. Ça ne me concerne pas du tout. Cette espèce de villageois dont je t'ai parlé. Dans quand là? Il vient juste de m'appeler. Il a dit qu'il est en route. Ok. Alors je lui ai dit que je suis à la maison. Je lui ai dit de venir. Je l'attends. Quand est-ce qu'il arrive? Ah ah! Il vient maintenant. Il est déjà en route. C'est super, c'est super. Mais attends, l'argent qu'il a promis qu'il allait t'envoyer, il ne l'a plus fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne m'a pas donné cet argent, oh ma soeur. Ah ah, pourquoi? Mais il a dit qu'il a de l'argent physique. Il vient avec de l'argent physique. Alors? Nous allons manger cette nuit. Hey. Je vais faire la sauce. Je vais tout mettre dedans. C'est ça même. J'ai des gens je te fais confiance. Mais attends d'abord. Cet argent qu'il apporte là, j'espère qu'il va venir avec beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Sérieuse, s'il te plaît, qu'il vienne rapidement. Tu n'es pas sérieuse. Mon corps a besoin d'argent. Il arrive. Moi aussi, j'ai besoin de cet argent. Il arrive avec l'argent. Copine, laisse-moi appeler ma soeur Akachi. Elle a toutes les informations. Je vais l'appeler. Attends. Je veux connaître le fond de cette histoire. Tu appelles ta sœur pour confirmer. Alors que la personne qui marche directement avec le prince te l'a dit, et tu doutes de ce qu'il t'a dit. Je vais appeler ma sœur. Quelle information? Elle va me donner les informations. Adama, je vais te demander quelque chose.
Et ton ami Otito marche directement avec le prince. Mm-hmm. Il t'a donné les détails, les premiers détails. Mais il pourrait les transformer. Je vais appeler ma soeur. Elle ne peut pas me mentir. Je vais l'appeler. Moi, je m'en vais. Vu que Lord, tu es là, tu es devenu Thomas. Abby, laisse ça. Je vais appeler ma soeur. D'accord. Pas de problème. Allô? Akachi, allô? Quoi? Comment ça a pu arriver? Votre Altesse, nous ne l'avons pas fait volontairement. Il nous forçait. Et quand on essayait de résister, il se mettait à nous battre. Vraiment? C'est la vérité, Votre Altesse. S'il vous plaît, mon roi, je ne veux pas souffrir. Ça, c'est de la folie. Mon roi, il n'est pas dans sa chambre. Qu'en est-il de ma femme? Je crois qu'elle rassemble ses choses pour quitter le palais. Mon Dieu. Comment dois-je appeler ça? Pourquoi est-ce que ma femme a fait ça? Dieu de notre terre. Qu'est-ce que tu essaies de me dire maintenant? Mon prince, ce que j'essaie de te dire, c'est que je ne suis plus du tout intéressé à rester dans ce village. Hein? Je suis fatigué de voler des bœufs, des poules et les chèvres. Je suis fatigué. Et tu n'es plus le prince. Donc si quelque chose nous arrive maintenant, ton pauvre père n'a pas d'argent. Ton vrai père, il n'a pas d'argent pour nous sauver de la police. Alors je n'ai plus d'intérêt à rester. Alors, c'est en fait ton plan de m'abandonner, pas vrai? Je dois le faire. Si possible, abandonne-toi-même aussi. Trouve ton chemin. Pour la vie, laisse-moi aller en ville chercher ma vie. Ma vie est perdue. Oui, laisse-moi chercher ma vie et devenir quelqu'un. Quand j'aurai amassé de l'argent, je reviendrai te chercher. Je t'amènerai en ville. Mais toi, promets-moi que si je t'amène en ville, tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas voler, promets-le-moi. Tu es un imbécile. Si tu vois ces petites chèvres, regarde ailleurs. Regarde ailleurs, oublie-les. Hein? Tu dois changer ta façon de faire. Arrête de discuter le trône avec cette fille. C'est son trône, c'est son palais. Rentre dans la maison de ton père, ton vrai père, ton pauvre père, et redeviens un pauvre homme. C'est tout. Donc c'est à moi que tu parles de cette façon? Tu me frappes encore. Affamé Funa, s'il te plaît. S'il te plaît. Oublie ça, ce n'est plus le temps de tous ces... Si tu continues de me frapper, je serai obligé de te le rendre sur ta poitrine. Hein? S'il te plaît, laisse-moi aller en ville et chercher ma vie. Ma vie est perdue. Donc arrête-moi tout ça, laisse-moi aller en ville. Peu importe comment c'est, je reviendrai te chercher. Mais débrouille-toi. Va enlever tout ça, ça ne sert à rien. T'es plus du tout un prince. Tous ces artifices, enlève ça. Comme ça, tu seras comme moi. Hein? Je vais te gommer l'œil. Je te promets cela. Prince, Afam et Funa. Arrête de marcher comme un prince. Tu n'es plus du tout un prince. Marche comme un homme normal. C'est fini la principauté. Otito. Je suis tellement contente de te voir ici. Tu sais. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Je suis très content d'être là. Ada, tu t'en sors bien. Franchement. Regarde où tu habites. Merci. Écoute, honnêtement, je suis très content d'être en ville. Oui. Je suis contente de te voir ici. De toutes les façons, voici mon ami, Abby. Nous vivons ensemble. Oui. Ah, elle est tellement belle. Merci. Et ses mains sont douces. Arrête de toucher mon homme. Arrête ça. Adama, ce n'est pas ça, je suis désolée. Il est tellement beau, ne le vois-tu pas? Merci. Beau gosse, dis-moi alors, tu nous as rien rapporté du village? Pardonne-moi, jolie fille. Écoute, j'étais déjà tellement impatient. Je ne voulais plus du tout rester au village. Donc, quand j'ai découvert que le prince avec qui je marchais était un faux prince. Allez, je faisais tout vite, Otito. Quitte ce village, quitte ce village. Je rangeais mes petites affaires. Donc, je n'ai pas... J'ai oublié d'apporter les oranges, les mangues et tout le reste, tu vois. Mais dans mon sac, hein, il y a beaucoup d'argent. Je t'ai dit que j'apportais du fric. Oui, tu dois bien t'en douter. Je suis venu bien préparé. Ne t'inquiète pas. Nous allons te régler. Très bientôt, nous allons te régler ton compte. C'est noté. Otito, va à l'intérieur. Rafraîchis-toi, prends ton bain et puis reviens te coucher. Comme ça, je pourrai te masser. D'accord. Kabachaga. Tu sais que le voyage était très long.
C'était très long. Alors, tu veux que j'aille prendre un bain? Ouais, va à l'intérieur prendre ton bain. Ok. Oui. Je vais prendre un bain. Ouais, dépêche-toi, ok. Va te laver. Un villageois. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas. Ma chère, tu es sérieuse? Je te dis, ils se sont enfuis. Et qui veut souffrir? Kanoko. Heya! Donc, même ces filles stupides qui ont travaillé au palais se sont aussi enfuies? Et si c'était toi, est-ce que tu allais rester et souffrir? Est-ce que tu allais rester dans la maison, vitier au caca et souffrir? Si j'étais à leur place, j'allais m'enfuir et faire la même chose. La seule option qu'elles ont en ce moment-ci, c'est d'avorter ces enfants. Elles doivent avorter. Se débarrasser de la grossesse et vivre leur vie. Il n'y a rien de mal à ça. Ok, Fouguier. Il Fouguier. Et le roi leur a demandé de fouetter mon propre frère. Hey! Tu vois, mon frère avait raison. Il a dit ce qu'il a entendu de Titi. Si seulement je vois l'un d'eux, je vais me moquer d'eux très bien. Ils le méritent. Je ferai également pareil. Je me moquerai très bien d'eux. Bien. Est-ce que tu sais que le roi a chassé cet imbécile de prince de son palais? Ma chère, il le doit. Ce gars n'est pas assez bon pour passer une minute dans ce palais. En fait, si j'étais le roi, je n'allais plus le laisser passer, ne serait qu'une nuit au palais. Qu'il retourne dans la maison de son père. Ah! Hey, j'ai même entendu que Otito l'a laissé. Il est parti en ville. C'est pas vrai. Otito est maintenant en ville. Hein? Oui, non? Non. Non, il devrait rester et souffrir. Ne prête pas attention comme à lui. Comme il n'est pas intelligent. C'est idiot. Hey! Ah! Prince! Juste comme ça. Je savais que mon frère avait raison. Je le savais. Non, il devrait rester et souffrir. Adama. Ah, ce gars qui est venu là. Il a beaucoup d'argent. C'est un bon gars. Et où est le problème? C'est un bon idiot et il a beaucoup d'argent. Comment allons-nous faire? Dis-moi. Comment allons-nous faire maintenant? Je ne te comprends pas. Que veux-tu dire par comment allons-nous faire? Il est mon... Ah, retire tes... Vas-y doucement pour nous entendre. Retire tes yeux de ce gars. C'est mon mec. Que veux-tu dire par comment allons-nous faire? Calme-toi, je ne dis pas que j'ai mes yeux sur lui. Mais nous vivons dans cette maison ensemble. Il doit y avoir quelque chose à faire de cet argent. Ou alors tu veux le garder pour toi toute seule. Hein? Ok, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Mais l'argent, une partie de l'argent. Parce que nous vivons ici. Hein? Mon ami. Mais hormis l'argent dont nous avons parlé, quels sont les plans que tu as pour lui? Ce gars, est-ce qu'il va juste venir rester comme ça en ville? Bien. Je vais l'utiliser pour prendre de l'argent à toutes ces personnes et ces gens. Quoi? Ne parle pas fort, doucement, doucement. Chérie. Quoi? Copine. Tu es mauvaise. C'est moi. Tu es mauvaise. Copine, regarde, j'en ai marre de cette affaire. Je suis fatiguée de faire ça. Maintenant qu'il est venu, je vais l'utiliser pour prendre l'argent de ces gens. Mais attends, Adam. Ce gars, est-ce qu'il est assez fort pour fournir ces gens? Hein? Est-ce qu'il a la force? Copine, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais le tester cette nuit. Tu comprends? Je vais le tester. Au moins avant qu'il ne rencontre une autre femme, je vais le tester cette nuit. Comme ça, il nous donnera la chance de faire ce qu'on veut faire. Hey, je te fais confiance. C'est moi. Ah, ah, mon ami. Je te fais confiance, mais... Attends, quand tu as fini, tu sais, envoie-le-moi pour que je le teste. Ça ne sera pas un problème. Regarde, si je finis avec lui aujourd'hui, peut-être demain, tu pourras l'avoir. Il y a cette femme qui n'a pas arrêté de m'appeler. Elle n'a pas arrêté de m'appeler. Elle aime ce genre d'affaires. Son mari ne lui accorde pas d'attention. Il n'a pas son temps. Et donc, comme il est venu, je vais l'utiliser pour gagner l'argent de ce genre de femme. Voilà. Je te soutiens. Copine, tu sembles m'ignorer. Pardon. Je suis à fond dans ce plan. Il faut qu'on se repose. Papa, s'il te plaît, j'ai décidé de venir te voir. Tu vois, ce sont mes sœurs.
Tu sais très bien que je ne blague pas avec elle. Je ne joue pas du tout avec elle. Puisque je suis devenue une princesse et que je suis entrée au palais, je veux qu'elle vive avec moi. Reste avec moi. Je veux être près d'elle pour veiller sur elle. Papa, je t'en supplie. Fais-le pour moi. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Laisse qu'elle vive avec moi. S'il te plaît. Titi. Tu es ma fille. Et tu es une princesse. Cela ne serait pas un problème. Elles pourront rester avec toi aussi longtemps qu'elles le voudront. Ah. Tant que ça te rendra heureuse. Ah. Honnêtement, tu ne sais pas à quel point je suis heureux que tu sois revenu avec moi. Papa de moi, tout ce que tu feras va réussir. Merci. Merci, Son Altesse. Merci, votre Altesse. C'est rien. Votre Altesse. Merci d'avoir été un bon mari pour moi. Je te souhaite le meilleur. Parce que tu es une bonne personne. Titi, ma fille, s'il te plaît, prends bien soin de ton père. Où comptes-tu aller? S'il te plaît, tu n'iras nulle part. Papa de moi, s'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-lui. Je sais qu'elle t'a offensé. Elle t'a fait beaucoup de choses qui vont te pousser à lui dire de partir. Mais ce n'est pas maintenant que je suis devenue une princesse qu'elle va partir. Je t'en supplie, pardonne-lui. Titi, ma fille, regarde. Je suis content que tu sois revenue et tu ne sais pas comment. Je suis content et heureux envers toi. Et comment c'est difficile pour moi de te dire non. Mais cette femme m'a blessée. Je sais, papa de moi. Je sais très bien de quoi tu parles. Elle m'a aussi également blessée. Pardonne-lui, papa de moi. Peu importe comment elle t'a offensé, je t'en supplie. Je t'en supplie. S'il te plaît, papa, je t'en supplie, pardonne-lui. Qu'elle reste ici avec nous, s'il te plaît. Elle est aussi ma mère. C'est ma maman. Je t'en supplie. D'accord, j'ai compris. Tu fais ça parce que tu sais que je t'aime beaucoup et que je suis très heureux et que je ne peux pas te dire non. Mais pour celui-ci, je vais y réfléchir. Tu vas y réfléchir. Mais qu'elle reste encore ici avec nous. Je vais y réfléchir. Oh, grand roi, il y a des gens qui sont là pour vous rencontrer. Non, pas maintenant. Ah. Igwe, maintenant que les choses sont comme ça, qu'allons-nous faire? Je suis venu ici parce que ma fille ici est enceinte. Ta femme. Ah. Igwe, ma fille aussi. Vous pouvez voir, la sienne est en train d'évoluer. Que sommes-nous censés faire par rapport à cela? Je vous ai entendu. Et que voulez-vous que je fasse de ça? Voilà la femme qui arrive. Il essaie de répondre de lui-même. Ma femme, viens parler toi-même. Igwe, ma soeur est venue ici pour travailler. Maintenant, elle est enceinte du prince. Ma femme, tu ne peux pas du tout laisser ma fille toute seule. Tu ne peux pas la laisser dans cette condition. Igwe, nous sommes aussi là. Nous sommes enceintes du prince. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? C'est exactement ce que j'ai entendu. Elles sont enceintes de toi, toutes. Vous êtes enceinte? Oui. Hein? Vous êtes aussi enceinte? Reste là, posez des questions stupides. Eh bien, je veux savoir combien d'entre vous sont enceintes ici. Ok, ceux-ci sont les gardes. Je croyais qu'il y avait d'autres personnes derrière. Même toi, Aurena. Mais tu ne m'as pas laissé vraiment bien profiter de la chose, hein? Comment peux-tu être enceinte? De toute façon, ok, c'est ok. Comme c'est maintenant la ligue des gens enceintes, je ne refuse pas le fait que tout le monde soit enceinte. Et si on perd plus de temps, beaucoup de gens pourront venir. Mais il n'y a pas de problème. Je ne refuse pas, je vais toutes vous épouser, ok? Tout le monde, hein? Mais la chose est que vous ferez mieux de garder à l'esprit que cette grossesse n'a pas de royauté. Oh.
Mais moi, je ne suis pas de la royauté. Vous avez entendu. Ah, et comme vous me voyez maintenant, je repars dans la maison de mon véritable père. Vous connaissez Ochiokaka, n'est-ce pas? Il n'a pas un centime. Il ne peut même pas se nourrir. Encore moins de... Alors, si vous êtes prêts de vous régaler avec l'igname et l'huile rouge. Maman, Yannekanak aussi. C'est bon. Hein? Alors, permettez-moi d'aller chercher toutes mes affaires. Allez aussi prendre toutes vos affaires. Donc, allez, rassemblez vos choses avec vos états de grossesse, hein? Comme ça, on ira se régaler avec l'igname et l'huile rouge, hein? Restez là très bien. Ah, restez. Tu n'iras nulle part. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne réagis pas? Tranquille. Tu vas où, là? Igwe, ma fille ne va pas souffrir. Je ne vais pas me permettre de la laisser là et souffrir. Oya, on s'en va. Papa, Oya. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Hein? Je vais rester. Oulé. Papa. Oya, on y va. Papa, je n'irai nulle part. Je vais rester. Viens, on s'en va. Je veux rester. Je veux rester. Majesté, vous voulez dire que ce n'est pas votre fils? Hein? Allez, partons d'ici. Allons-nous-en. Laisse-moi tranquille. Oui, que se passera-t-il pour ma sœur? Tu l'as entendu? Tu l'as entendu? Tu vas aller chez Okaka et l'attendre. Viens, allons-y. Laisse-moi tranquille. Bien. Félicitations. Défenseur de l'univers. Tu l'as vu? Profite du fruit de tes entrailles. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu sais quoi, au village, je ne mange rien d'autre à part du couscous. Hein? J'aime comme le couscous. Ça, je démarre comme une machine. Hey. Un chevalier. Tu es fort. Tu es bon. Je te l'avais dit. Tu ne m'attendais pas à ça, venant de toi. Je te l'avais dit, tu m'as négligé parce que je viens du village. J'aime ce couscous. Je ne mange pas cette petite nourriture, le indomie, le spaghetti. Je ne mange pas ça. Donne-moi du bon couscous. Hein? Là, tu me verras en action. Ça veut dire que tu es apte pour le travail que je t'ai trouvé. Hein? Je te dis. T'as trouvé un travail pour moi? Mais oui. Tu es sérieuse? Papa, je t'ai trouvé un travail. Vraiment? Oui. Tu vois pourquoi je dis que tu m'aimes? Tu vois pourquoi je dis que Akdama, tu m'aimes tellement? Alors, tu m'as déjà trouvé un travail? Le salaire, c'est 200 000 naira. Oh mon Dieu! Par session. 200 000 naira? Je te dis. Aïe. Tu vois pourquoi je me suis dit, Otito quitte ce village et va en ville. Ouh. 200 000 naira? Je te dis. Quand est-ce que je commence? Dès que possible, dès que tu es prêt. Regarde, j'ai parlé avec la femme qui s'en occupe. Hein? Regarde, c'est juste que dans cette ville où tu es venu, tu dois ouvrir les yeux. Parce que si tu n'ouvres pas les yeux, les gens qui ouvrent les yeux vont arracher les opportunités qui sont pour toi. Personne ne va le tenter. Tu ne me connais pas, Otito. Otito, va demander de mes nouvelles au village, tu sais. Tu me connais que je... Personne ne peut me manger. Je te dis. Sois tranquille pour ça. Si tu n'ouvres pas les yeux, les gars qui ont les yeux ouverts vont prendre tes opportunités. Ils ne vont même pas tenter. Parle-moi juste de ce travail. La nature du travail, quand je dois commencer et je commence immédiatement. Oui. Moi, 200 000 naira. Dieu du ciel. Le travail est... Hein? Que la femme en charge. Hein? Cette chose que nous venons juste de faire. La femme en charge? Oui. Tu connais la femme? Oui, je la connais. Ok. Cette chose que nous venons de faire. Tu dois aussi lui faire la même chose. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Cette chose que nous venons de faire. Ihana Maketan. Tu dois aussi la lui donner. Ada. Quoi? Hey. Ada, tu ne m'expliques pas encore bien la chose. Que je dois faire quoi? Est-ce que c'est ça l'affaire? C'est ça le travail? Otito, 200 000. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que tu voulais venir en ville, gagner de l'argent et m'épouser. Oui. Et la Koriha. Mais franchement, ce travail est très bizarre. Hein? Aïe, Otito. Est-ce que tu veux dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une autre affaire? Il n'y a pas un autre travail que tu peux trouver pour moi, même si c'est celui de gardien. Qu'est-ce que tu racontes? Sais-tu comment j'ai souffert pour te trouver ce travail?
Qui te donnera 200 000 dans ce village? Qui? Pour un simple travail divorce, tu dois l'utiliser. Voici ce que les gens cherchent. J'espère que c'est pas la femme d'autrui. La tienne est naturelle, donc... Est-ce que c'est la femme de quelqu'un? Oh, Tito, laisse d'abord ce côté-là. Une fois que tu vas partir et revenir, 200 000. Chez Konzo, 200 000. Madame, qu'est-ce qui se passe ici? C'est beau, vous passez tellement de bons moments à la maison. Je suis tellement contente. Qu'est-ce qui se passe? On s'amusait. Franchement, ce gars est puissant. J'ai entendu des bruits, je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai décidé de venir vous rejoindre. Hein? Nous rejoindre comment? Qu'est-ce que... Je croyais t'avoir dit... Que si je fais aujourd'hui, demain tu feras ta part. Ne te dérange pas, Dama. Ces hurlements ne faisaient que secouer mon corps dans tous les sens. Vous avez tout arrangé. Bien sûr que ce gars est tellement puissant. Vous devriez me partager l'une après l'autre. Eddie, demain tu feras ta part. Allez, s'il te plaît, laisse pas Dieu, mon ami. Mon Dieu, sauve-moi. T'inquiète pas, tu vas bien t'amuser. Dama, est-ce parce que je suis fort? C'est pas bon du tout, ça. Pour te dire, c'était chic. C'était super. Mais tu n'as pas bien expliqué toutes ces choses. Tu es tellement puissant. Ferme-la. Ne peux-tu pas gérer deux femmes? Avec toute cette virilité, tu es censé gérer sept femmes à la fois et au même moment. Laissez-moi me joindre à vous. C'est pour toi. Et que tu avances et fasses de ce monde un endroit meilleur. Tu dois changer. Change ton comportement. Comme ça, le monde parlera en bien de toi. Merci, père. Pardon. Merci, Ikoué. Mais la vérité est que je suis maintenant une nouvelle personne. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Eh bien, voilà une chose que je ne vais pas faire. Je ne vais pas t'abandonner. C'est pourquoi j'ai demandé à ton père, Okaka, de t'amener aussi à cette réunion. Tant que tu vas accepter de changer, alors je vais te permettre de continuer à habiter dans ce palais. Je vais te laisser conduire la voiture que tu conduisais. Parce que ma fille, la princesse, aura une autre voiture. Je vais lui acheter une autre voiture. Je veux que tu te sentes libre de venir au palais. N'importe quand tu voudras venir au palais. Et pour couronner le tout, je vais te donner une somme de 10 millions de naira. Hein? 10 millions? Ah, mais merci père. Merci, Igwe. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci. Ce que je veux que tu fasses avec cet argent, c'est d'aller en ville. Débrouille-toi avec. Et fais de ta vie une meilleure à laquelle s'en tenir. Bien sûr, père. Une fois que tu te bats et tu deviens une nouvelle personne, comme tu l'as promis, tu peux te sentir libre de revenir au palais et de vivre au palais. Est-ce que c'est clair? Très clair. Tu es toujours le bienvenu. Merci. Merci encore. Je te le promets. Je ne te décevrai pas. Merci, père. On ne sera pas capable d'apprécier la valeur de ce que vous avez fait pour nous. Bien sûr, père. Merci, Igwe. 10 millions. C'est bon. Alors, assure-toi de rester une nouvelle personne. Et le monde entier sera une meilleure place pour toi. Ok. Votre Altesse, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, papa de moi. Merci, papa. Merci, Votre Altesse. Que les dieux de notre terre soient avec toi, comme tu pars en ville. Il sait. Alors, voilà ça. Donc, voici ce que vous êtes en train de faire. Oh, mon Dieu. Otito. Pourquoi tu n'as pas frappé à la porte? Est-ce que tu vas bien? Otito, je t'ai demandé de venir en ville pour que tu gagnes de l'argent. Que tu ouvres les yeux. Et tu as décidé d'ouvrir les yeux avec moi, hein? Adama, tu ouvres les yeux sur moi. Calme-toi, je comprends pas pourquoi tu hurles. Calme-toi, nous connaissons tout ce que tu dis, pourquoi tu hurles? Calme-toi. Ebere, que je me calme. Oui, s'il te plaît, calme-toi. Ebere, je n'ai jamais arraché ton homme. C'est quoi ça? Oublie ce que tu dis là, mon ami, c'est notre homme, c'est notre homme à nous deux, calme-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi. Lève-toi de là. Lève-toi maintenant. Où vois-tu qu'il aille? Pourtant, on n'a pas fini ce qu'on était en train de faire. Otito. Pourquoi elle devrait se réveiller? Reste tranquille. Adama, s'il te plaît, arrête. Je n'aime pas ce que tu fais. Otito, lève-toi. Adama, il n'ira nulle part. C'est notre maison. Ebere, c'est aussi ma maison. Mais il n'ira nulle part.
Otito, lève-toi. Nous le partageons toutes les deux, n'ira nulle part. Je t'ai amené dans cette ville. Tu ne vas pas m'insulter ici. Hein? Tu as compris? Lève-toi de ce lit. Ne va nulle part. Il n'ira nulle part. Ébéré, on ne s'est jamais battu avant. Jamais, jamais. Attends-moi. S'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Ne gâche pas mon plaisir. Ne gâche pas mon plaisir. Je suis terrible. Je suis folle. Non, arrête ce que tu fais là. Ne m'attends pas dans cette histoire. Otito, lève-toi. Il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Otito, il n'ira nulle part. Arrête ça. Arrête tes bêtises. Il n'ira nulle part. Arrête ça. Il n'ira nulle part. Oui. Oui. Otito, lève-toi de ce lit. Jamais. Otito. Otito, pas. Otito, Otito, je t'ai amené dans cette ville. Otito, ne me garde pas, oh. Je vais appeler les gardes pour toi. Lève-toi de ce lit. Tu ne peux rien faire. Ébéré. Je vais personnellement m'occuper d'elle. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Adama, laisse-le tranquille. Sors de cette chambre. Hey. Oui.